C'est bon, le live est lancé, Anthony. Bon, j'éteins la play. Je te dis à demain. Peut-être plus tard dans la soirée. Allez, salut, bon. L'écran noir, c'est logique, c'est normal, c'est pas grave. Parce que Gemon ne s'est pas encore lancé. Pas Jason, mon bande de salaud, vous abandonnez Jason, vous le laissez tout seul là, mais vous prenez pour qui vous? Salut Jason, Salut. ils t'ont abandonné, ils sont tous partis de police. Ouais, je vois ça, je vois ça. Vraiment des salauds. Mais t'es pas une game, Jason, non? Non, j'arrive là. Non, mais c'est pas parce qu'il est pas une game qu'il faut l'abandonner. Hein. Vous jouez à quoi, vous? Mais ça va pas, non? Non, mais sans déconner. Non, mais moi ce soir à 18h, qui joue? Bah moi. Moi, sûrement. Eh les gars, on va peut-être être confinés. Ouais, peut-être quoi? Parce que, genre, chez moi, c'est le bordel. Dans ma région, c'est le bordel. Parce que, genre, mon collège, il y a trois classes qui sont... Il y a trois classes, ouais, qui sont fermées à cause des cas contacts et tout. Il y a une pote à moi qui est cas contact. C'est le bordel. Je vais peut-être être confiné. Et t'es dans quelle région? Toi, t'es dans la région Moi. parisienne. Ouais, je suis là. Non, c'est moi qui sais trop. C'est moi dans la région parisienne, t'es fou toi? Non, c'est moi aussi. Je suis dans l'Oise, moi. C'est pas vraiment la région parisienne, c'est la Ah, région de Beauvaisis. moi je suis en Ah dessous. Moi je suis en dessous, moi je suis en Île-de-France. je crois que je suis à peu près en même chose. Oh, je sais plus, c'est bon, vous m'avez perdu, moi. De quoi, car toi t'es où? Je suis dans l'Oise. Moi O-U-I-E. je suis dans un département à côté de Paris. Ouais, moi aussi. Je suis dans le 60, moi. Mais moi je suis déjà mais moi là il y a déjà le confinement, tu vois, il y a un confinement dans à Ouais, chaque moi, il y a. endroit. Genre, moi, c'est un confinement, c'est un confinement. Genre, on fait ce qu'on. Enfin, genre, on va en cours et Ah. tout. Mais, Ouais, genre, on va tout faire. pareil, pareil, Mais du coup, pareil, c'est c'est la pas un même chose. confinement. C'est pas vraiment un confinement, du coup. Ouais, moi je l'ai dit à tout le monde, je lui dis voilà, il me confine entièrement ou alors il me confine pas. Gros. Tant le week-end j'ai le droit de rien faire, mais par contre la semaine faut que je me casse les couilles là en cours. Bye. Ouais, délire. Je pensais que t'as dit qu'il allait revenir. Je pensais qu'il allait revenir aujourd'hui. Elle revient pas aujourd'hui, t'es dit? Bah, je sais pas, j'ai pas vu quoi. Je pensais qu'il allait revenir aujourd'hui, moi. Je sais pas, mais je sais qu'il a une promotion, tu t'es dit. C'est quand je sais que hier il était pas dispo, mais je savais pas qu'il allait y rester plusieurs jours. De toute façon, moi, les promotions, hier, il y en a eu beaucoup. Teddy, là, il les a remplis pour moi. Mais il y a eu Ouais. Jason, qui est promu. Il y a eu Turner, il y a eu Mehdi, donc on n'a plus aucun recrue normal. Il y a eu Joseph, il y a eu Teddy encore. Ah bah, Teddy a été promu deux fois hier. Lui, on l'a promu deux fois. Il y a eu Paul, il y a eu Bastien. De quoi, Paul? Bastien. Détail, et Bastien aussi. Et il y a De eu quoi, Teddy Paul et qui. Bastien? Ils ont eu une médaille, les deux. Ils ont eu des médailles, Quoi? c'est. Paul, on lui a mis la médaille d'honneur. Et Bastien, on lui a mis la médaille du vétéran et la médaille de l'excellence.
Mais attends un instant juste. Ouais. Elle, bah que je veux pas faire un partage d'écran. Et bah. Attends, je fais un partage. Non, mais une question, mais Jason. Mais une question, mais. Non, pas Jason, mais Mehdi. Mais une question, mais Mehdi, il a changé de compte. C'est j'ai reçu un MP de Mehdi comme. J'ai reçu un MP de Mehdi et il a dit je vais donner ce compte à mon frère. Ça va être ça mon nouveau compte. Et c'est quoi son nouveau compte? Attends, je te l'envoie. Compte Discord ou compte Compte Discord? Ah bah compte Discord, ça va, compte Discord ça dérangera pas. SCP Mehdi. Tiens, je suis envoyé. Il m'a envoyé 100 MP, donc après moi je le sais pas. Ouais, Mmh. Attends. je pense qu'il t'a fait une grosse blague, hein, mais bon. Attends, bougez pas de mon bureau là. T'as dit qu'on dit bouger. L'état de drone m'a fait repérer sur toi. Merde, j'ai copié deux fois, je suis vraiment un trou du cul. Hop, il faut que je pique Mehdi, j'ai été le voler 2 secondes, là, attendez. Merde, j'ai déplacé, je sais pas où, bureau parrain. Pourquoi on n'est pas dans mon bureau, on est dans le bureau parrain, on en parle ou pas? Ouais, c'est carré ça. Mais. Mehdi, what is the boutade que t'as fait à mon cher ami Titouan là? Qu'est-ce que tu lui as dit comme connerie toi encore? Mais de quoi? Non, je suis trompée de personne! Je suis trompée de personne! C'est. Non, c'est pas Mélisse, c'est quelqu'un d'autre! Pourquoi c'était quoi la boutade? Oh, je vais le Non, frapper. non! Sinon, viens avec moi, je vais le frapper. Non, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre, t'as dit ça, c'est quelqu'un d'autre. Frapper. Dis-toi, je vais te frapper vraiment. Bah. Mais je savais pas que c'était quelqu'un d'autre en même temps. Mets ton brassard, Titouan. Mais dis que tu veux rester dans une planète ou tu peux bouger. Comme tu veux. Tu peux rester ou tu peux aller avec. Bah, je vais avec les flics quand Titouan, même. enlève ton brassard, troll. Mets ton brassard, Titouan. Non, troll les flics. Non. Oui, mais j'ai mon brassard quand je suis sur toi, mais en fait là je faisais juste une écart. Tu veux que je fasse une petite tête là, Titouan, avec ton skin? T'es Sur passé le comment dans Titouan? Ouais, je suis Ouais. passé commandant hier. Ouais. Beaucoup de commandants qui sont passés hier. Hier matin à 11h. Il y a eu 3 commandants hier qui sont passés, hein. Ah ouais, Qui qui ça? ça, hein? Alors, il y a eu. Il y a eu Joseph. Ah non, Joseph, c'était avant déjà. Attends, je sais Oh, ça date plus, assez c'était hier ou longtemps avant pour Joseph. Joseph. Bah. J'ai Alors, en sais fait. pas, il était passé au moins 3-4 jours avant. Ah bah, Jason est passé commandant? Non. Putain. Ah bon? Bah y a, pourtant il est marqué commandant. y a un braco les mecs. Oui. Pourtant il est marqué commandant dans commandant police. Voilà, c'est tout. T'es malade, toi, il est pas passé commandant. Vous Mais voulez est-ce qu'on fait rentrer? ici? Bah si vous m'ouvrez, oui. Je le vois dans le truc commandant. Ouais, y a marqué. L'IRIS sur le toit. Non, vous êtes là ou pas? Il y a eu lui, il y a eu Joseph, il y a eu. Affirmatif. Pourquoi ils ont tiré sur plaque de Attends, ventilation. y a eu qui d'autre? Tyson, y a eu qui d'autre à part moi? Celui qui s'en va Il y a après eu toi, de il y a eu Joseph ventilation, tu t'es pas montré. Non, non, bah, après ça Joseph. va pas. Je suis désolé, ça va pas. Négatif. Non, mais récemment, Ok, bah alors tu restes là-haut. Non, récemment, j'ai cru que tu parlais d'hier. Ça tire vraiment égout? Alors, laissez-moi parler s'il vous plaît, le négociateur Lunarred. Alors, tous les raids qui sont sur les toits, on fera l'échange avec l'otage. Dès que vous voyez l'otage et que j'ai donné le sac, vous pouvez abattre les braqueurs. Vous avez bien reçu l'information. De PV parce que j'ai voulu, tu sais, monter là comme t'as fait là, mais je me suis ramassé du plan. Ah. Mais c'est pas grave. Non, mais en fait, je te vois pas. Moi? Ouais, je t'ai pas vu depuis le début du braco, tu te trouves où là? Petitement. Mec, il t'a cramé.
Une couille, c'est parce que je les ai entendus. Non, personne m'a vu. Je pense que ça va partir en couille. Oh, c'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est quoi, Noah? Pourquoi je fais grand chose? Dans tous les cas, je vais lui niquer sa mère. S'il fait le fou. Qui s'est fait voir? Pourquoi t'as dit oh non? Ok, bon, c'est bon, t'as raison. Il est passé commandant hier, mais il voulait pas le faire. Dès qu'on a l'otage, on va tenez le sac. Attends. L'otage, viens, l'otage, viens. Vous pouvez faire feu. Il a dit vous pouvez faire feu, j'ai tiré. Ah, c'est pas moi non plus, go. Faites gaffe, vite teinté. Non, normalement, ils sont pas grands. On n'est pas la police, c'est pour rien, les. Allez, on y va. Allez, Jason. Faut ouvrir le coffre. Est-ce que on passe dans les aération avec avec un bac. Cachez les caméras. Est-ce que vous êtes rentré dans les caméras? Non. Je veux dire. Ça va passer égout, faites gaffe, ça va passer égout. Le brigadier. Non, moi. Fais gaffe, le brigadier. J'arrive en renfort égout. Attention, le brigadier. Oh, le brigadier recule. Le brigadier, tu recules. Tu nous gênes. Ah, attends, donc explique. Jason, explique là. Bah, abattu. Ah, c'est voyant, non? Bien joué. Allez. Ah ouais, carrément. Bah, bite. Tu vas jouer en backeux, salaud. Hein? Moi? Tu vas jouer en backeux avec Titouan, salaud. Ouais, si tu veux. Ah, j'ai le démon, le fils de. Ouais, si, t'es mort. Paul, cet enculé, il m'a gêné. Il est passé devant moi au moment où je voulais avancer. Est-ce que t'as le seum? Est-ce que t'as le seum ou est-ce que t'as pas le seum? De d'être mort? Oh, c'est une fusillade! Non, je m'en balèque. De toute façon, dans tous les cas, maximum lundi, il l'aurait su. Et toi, Madit, et toi, Médit, ton ressenti? Mais déjà, tu peux venir en bac avec. Attends, je suis en assaut là, donc je t'en prie. Derrière le Je respawn et puis je vais prendre mon service en backup. Vas-y, tire. Rien à battre, tire. Tu l'as battu, Titouan. J'ai regardé le live de Titouan. Titouan, il l'a abattu. Oh merde, il a Mec, Titouan, je t'ai porté malheur. J'arrive sur ton live, boum, tu prends une balle. Non, mais c'est Marco qui m'a tué. C'est Marco qui m'a tué, le pire c'est que j'avais mon badge. Ah, hip. Mais sérieux, il est sérieux, Marco, il m'a tué. Pousse-toi. Ça arrive. Oh, Mehdi est en train de s'embrouiller. Mais j'avais mon badge en plus. Mehdi est en train de s'embrouiller, j'ai entendu un pousse-toi. Mais Jason, attends, on est d'accord que j'avais mon badge, Jason. On est d'accord que j'avais mon badge. Bah ouais. Jason, c'est quoi, on a de Paris, hein, Jason. On m'a tué alors que j'avais mon badge. Jason, ça me casse tes couilles, j'ai perdu des PV pour rien. Je m'en fais, je fais un ticket. Mais du coup, attends. T'es pas système D, vraiment? Oui. Mais du coup, on peut ne pas annuler le pari. Bah si, on annule le pari. Bah pourquoi? Parce que j'ai la flemme de jouer policier, moi tu sais très bien que je vais que battre. Ah, je sais, mais. C'est pas mon problème. Ah, gamma, ouais, I know you. Écoute, non, on a dit hier qu'on annule le pari, alors on annule. J'ai rigolé, on annule le pari. Allez. Mais ta mère, c'est quand même une pute. Quoi? Jason. Non. Jason, je vais aller en bien. On est passé commandant le même jour. Ouais. Oh, mais ça me casse les couilles. Toi, t'es passé commandant le soir avant le matin. Jason, je vais en BA, tu move back. Mais est-ce que je fais un ticket? Est-ce que je fais un ticket contre Marco? Pourquoi? Paul? Oui. Il y a un médecin en ville. Oh, va le voir, moi je suis en congé. Tu as un bureau à partager maintenant? Putain de merde. Non, mais il est énervant. Il y a un bureau à partager maintenant? Ouais, t'as un bureau à partager. Il est énervant, il m'a tué. Attends, je te. Oui, j'ai un bureau général, je le sais, oui. Je sais.
coup, tu veux que je me prenne. Ouais, mais... Non, à la fin, c'est énervant. S'il avait mon badge, en plus... Bah, il a pas fait exprès. Ah, j'espère. Quand... Pas fait exprès, je sais pas. Bah, après, si ça aurait été une balle, j'aurais dit oui, mais là, il m'a complet... Mais là, il m'a rafale. Ah. Je te jure. Bah, il voulait ton cul. Mais Jason, est-ce que tu peux venir en bac avec moi, à patrouiller ensemble? Ouais, si tu veux. Un médecin est en train de vous soigner. Mais donc t'as déjà fait beaucoup de bac? Non, j'ai dû faire même pas 10 minutes. Ah ouais. Moi je sais pas comme si pas. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais mais là l'explosion elle était violente. Je crois que j'ai fait. Change pas mon avis, ça se compte dans ça. T'as pas rendu juste. On peut pas mettre Discord en prioritaire par rapport au jeu? Si je veux mettre 2 générales, je mets 2 générales. Si je veux mettre 8 par un général, je mets 8 par un général. Attends, on peut pas faire un truc pour que Gmod, genre en mode ça soit. Je passe après le son de Discord? Non. Ça casse les couilles. Prends ton brassard avant que je te frappe. De quoi? Je vais aller m'équiper. Mais t'es déjà équipé, t'as une. Mais tu t'en souviens de la fois où j'ai dit braquage de manque au couteau? Ah oh ouais, ça m'a tué. Il y a un mec qui a fait quoi la fois braquage de manque au couteau? C'était pas sur le 2 ça? Non, c'était sur le 3, j'ai dit braquage de manque au couteau. Gros, le mec il était là, il braquait la banque avec un couteau, c'est un fou. Bah ça se trouve, c'est le même qui a eu sur le 2 il y a pas très longtemps. Non, c'était sur le 3. Mais ça fait longtemps. Ouais, mais il y a un mec sur le 2, il a eu un mec qui l'a fait un braquage au couteau. Il est d'accord, ou Jason, c'est possible. Ouais. Tu vas comme tu veux, c'est pas joueur, merci. Bah là, il y en a un aussi. Mais je prends quoi comme voiture? Soit je prends ma Shelby, soit je prends ma Nissan, ou vas-y, je prends un Cadillac. Mais Jason, tu devais back aussi. Mais je suis déjà back. Ok, donc t'es. Jason, j'allais chercher mon véhicule, je viens te chercher. Ok. Mais par contre après on se fouillera. On se fouillera pour prendre nos armes. Mmh. Ouais, mais Jason il achète pas d'armes en plus. Bah je veux je vais en acheter à la limite, ouais. Mais il peut garder sa G36. De toute façon, vous savez ce que je vais faire moi? Après, quand il vous dit ensemble, qu'on. Jason, je t'achèterai une RFB. Dès qu'on. Moi, j'avais trop envie de faire un truc avec. Comment il s'appelle avec. Ah, tu veux pas de RFB? Bah, tu voudras quoi comme. Non. Est-ce que je peux avoir toute l'utilisation de police en salle de dispatch, s'il vous plaît? Non, seulement police, raid et bag, vous n'avez pas l'obligation. Non, c'est moi qui parlais. Oui, mais même, j'ai dit... Non, on est déjà sur une... On est trois, mais... on est le lieutenant Maté. Voilà, je n'entendais rien, parce que là, radio de mes deux... Mais je pense que tu voudras pas de RFP, tu voudras quoi? Tu voudras une M16? Mais je veux rien du tout. Mais faut t'acheter des armes supplémentaires, mon con. Mais non, je vais m'acheter mes propres armes. Ah, donc toi, tu vas t'acheter tes armes, toi? Ouais. Pauvre que t'es là. Avec tes 100 000, tu vas t'acheter tes armes. Avec mes combien? 100 000. Ah, bon, bah, j'ai tué le preneur d'otages, hein. Il était en train de niquer le. Je vais voir. Garagiste, toi, tu veux. 652, je suis plus riche que toi. Ah, ça va, j'ai 400 000. Je suis pauvre, moi. C'est là déjà. Non, mais mercredi soir, vu que j'ai pas cours. Mardi soir, vu que j'ai pas cours mercredi, j'ai déjà prévu d'aller sur le 1 à 1h du matin pour me faire de la thune. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai, t'es jeune. Ouais, mercredi sur 2, j'ai pas cours, moi. Fils de pute. Oh, t'es sérieux? Bah oui, je suis sérieux. T'es con, lui. Les mecs, c'est quoi le code de Comico? C'est 17, attends, je suis devant le Comico avec ma Cadillac. Ah ouais, j'ai niqué le preneur d'otage et une balle de JAE. C'est carré ça. Bonjour.
Avant de rentrer dans le véhicule, tu dois danser. Je sais pas si, si. Avant de rentrer dans le véhicule, tu dois danser. C'est danser, bon, danser. Danser, danser. Ouais. Voilà. Attends, ressort. Attends, fouille-moi après, ah je oui, te fouille. Bon. Hop. Tu veux que je t'enlève quoi? Ton P99 et ton Desert Eagle. Tu m'enlèves tout sauf mon Dorébé et mon GAO. Ok. C'est deux seules armes que tu me laisses. Mais tu veux pas garder la AR-15? C'est juste mon Dorébé et GAO, tu me les laisses. Okay. Tout le reste, tu prends. C'est bon. D'accord. Ah mais t'as pas pris mon sachet à tout. Attends, ah merde, pas grave. Je te rends tes objets, je t'en ouais. Fouille. Bon bah c'est ça. T'as un hôpital, hein, l'ambulanciste, bah rien. Ça sert à rien de rester à l'hôpital. Si y aller. Ok, voilà, là c'est bon. Mégaphone, ça chatouille. Mégaphone, ça chatouille. C'est bon, ok alors. Ah mais t'as pas pris mon ennemi cette fois-ci. Un, deux, trois. Je vais t'en coller une. Putain. Attends, oh, tente. Ok. C'est toi, je prends des articles, l'AR-15, la G36. Moi oh, je me suis mis chef du raid, j'ai 175 de shield. Ok alors, et le mégaphone. C'est bon. Oui. Là, mais du coup, j'ai Tyson, j'ai pas compris, ça t'en fout quoi chef du raid? Et Jason et toi je te laisse quoi? Bah tu me laisses le G36. Je reviendrai. Quand je reviendrai. Ah, tu m'enlèves voilà, le G36. Alors ça oui. Voilà. C'est bon. Parfait, merci. Dis-toi. Zara, je vais changer de tenue. Ouais. Ça t'offre quoi de plus, chef du raid? 10 de shield. 10 de bouclier et en plus on peut lancer des convois. Ah oui, c'est ça. Le serveur démarre dans 15 minutes. Nice. Oh non, il redémarre. Ah, 90 le salaire d'un maquet. Ok. Au niveau du port, s'il vous plaît, regarde au niveau du port, au niveau de la personne qui a battu la personne, non, ça marche. Attends, vas-y, Nicolas, vas-y, pas l'appeler, cours, cours. Ouais, vas-y. Attends, je vais rattraper ma radio. Ah, ça, les gars, ça. Par contre, je vais faire un peu. Juste, mais la famille qui fait le recrutement, je dis déjà, ça sert à rien de rentrer chez eux. Ah ouais? Ouais, ouais, ils font. Ouais, c'est une famille full RP qui m'éta. C'est ce jour je suis venu. C'est ce jour je suis venu. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Pourrais-je savoir qu'est-ce qu'a fait votre famille? Et après, il me répond. Et après, il prend sa radio et il dit ouais, j'ai un backup qui va se faire recruter. D'accord. Mais comment ça que j'étais Bako? Il a nos RP quoi, enfin il a méta. Excusez-moi, pas fait exprès. Pour l'instant, garde ville RS, on est rentré dedans avec la BAC. Il est parti. Oh non, je suis comme ça, le chef du raid, ça me casse les couilles, je vais mettre ma hache. C'est bon, j'ai réussi à m'asseoir. Il va falloir que je mette un bind pour le brassard parce que je crois que ça me sollicite. D'accord. Mais attends, mais demande c'est quoi le descriptif de l'individu? Si tu veux. Description de l'individu, s'il vous plaît. J'arrive pas à prendre ma radio. Chemise à carreaux bleu blanc. Et c'est tout? Et c'est une asiatique. C'est 4. Ils rendent fou les mecs dans le chat. On va aller voir ici. Chemise bleu blanc et une asiatique. Putain mais vous êtes parti où vous? J'arrive pas. Ah vous êtes parti là-bas. Prends l'échelle, gros lard. J'arrive pas à prendre l'échelle. Vas-y, monte. Y'a la mine? Ah oui. Nino is care. Mais wesh, pourquoi je peux pas prendre l'échelle? Ah voilà. Non. Je sais pas. Mais prends-la, putain! C'est ta mère que je vais prendre, la dépêche.
Je vais voir si c'est pas réfugié dans le truc. Ah, quand même. RAS. Y a rien là. Attends. Ah ouais. Ouais, y'a rien. Attends, y'a juste un endroit que je dois vérifier. Ah, je viens de vérifier là. Non, t'es prêt, j'ai sauté. Allez hop, dégage. Mais putain, mais il a sauté. C'est toi, elle est mort. C'est faux, il est juste en face de moi. Merde. Brassard, déjà, enlève ton brassard. Ouais, toi. Ah, faut vraiment que je mette un bain, ça me saoule. Mais je te l'ai mis, va dans le général. Ouais, bah attends. Moi, perso, j'ai enlevé le bain. Pourquoi? T'es con? Non, j'ai crash. Non, sérieux? Ouais. Donc là, je suis dans l'eau, là. Oh non, il passe où mon fourgon? Mais c'est ça que j'aime pas, c'est qu'un sur le 3 je crache plus le temps. Bon, moi je reviens, je vous abandonne 30 secondes, je reviens. Ok. Je reviens vers 18h. De police, vous voulez pas refaire un convoi? Des débiles à un pont. Wilson, tu fais à chaque fois la même. Donc le bind. On va relancer un convoi. Vous êtes sûr avant la tempête, vous voulez pas le faire après? Parce que tu vas voir, ça va prendre trop de temps et on va tomber pile dans la tempête. Bah alors faut vraiment le lancer maintenant et sinon faut le lancer et on met les mêmes dispositions que tout à l'heure s'il y a les mêmes personnes. Ok, est-ce que je pourrais avoir un retour de commissariat de Alpha et Bravo, merci. Wow, fais gaffe toi, cogno. Ok, bon, on va lancer un coup. J'espère que tout le monde est... Alpha, vous serez devant, Bravo, vous serez derrière, et Marco, Vito et moi, on sera à gauche. Voilà, les raids, je vous les ai en occupé. Par contre, moi, je vous ai pas pour le con ou pas? Non, c'est moi qui ai conduit. Ah non, attends un peu. Attends un peu, Marco, attends, et Vito, vous serez à gauche. Moi, je conduis le convoi. Attends pour le convoi, s'il te plaît. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est un peu pressé. C'est ça le problème. On arrive. Tout le monde est prêt? Bon, allez, let's go. On arrive, attendez. Ah, un convoi ici, a eu lieu récemment. Et bah, le convoi est annulé, on verra après la tempête. Ici, le gardien Bach Elio Gugianos. J'ai ici un garagiste qui s'est fait empoisonner par un ambulancier. Donc, si vous voyez un ambulancier, merci d'au moins l'arrêter. Bah, du papier, monsieur, venez. Bon, bah, je vais demander à Alpha et Bravo de retourner en patrouille. Merci. Hey, Titouan, il a crash.
pour savoir si on gagnait vraiment des heures quand on fait des formations. Gagner des heures en mode il t'enlève des heures ou gagner des heures. Non, il te donne des heures, tu vois. Oui, bah, il te rajoute des heures à faire quoi. Bah voilà. Mais je peux mon bal mettre faire un débuter le convoi Mehdi Lawrence. Mehdi Wall Street, chef du raid, somme 70 000, membre 1. Ouais. Ça te dirait pas un moment, on retourne faire de l'illégal. C'est quoi le nom de l'ambulancier qui a empoisonné le dépanneur? Je sais pas, flemme. Ouais, pas maintenant, hein, mais. Oh, plus tard, je pense. Ouais, bah oui. Nous ne savons actuellement pas, là, j'amène le garagiste commissaire pour une déposition. Merci quand même, Marco, ça aurait pu marcher. Bah, on a un ambulance qui est au niveau. À niveau du bureau. Ramenez le ramener commissariat et on va voir. Ah. En fait, il est déjà. Oh putain! Ah bah ça marche. Dans 5 minutes. Moi je veux ma hache et pas ma hache de combat. Lol. Ouais, mais il y a une formation à 16h30. J'ai la flemme de la faire en tant que. Pour gagner des heures là en tant que policier, flemme de la faire, je pense. Hein. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Bah moi je voudrais une formation en raid. En raid. Mais il y en a pas, je pense que ça va être la semaine prochaine. Moi si on. Je pense qu'on va gagner quoi 2-3 heures, je sais pas. 2-3 heures c'est long. Ouais. Bon en vrai, si jamais on se fait chier, ça fait passer le temps. Hein. Techniquement. Ouais. Mais c'est dans les inscriptions, mais là je pense que c'est trop tard pour s'inscrire. Oh, je vais voir ça. Annonce formation. Faut envoyer un MP à Patrick Jordan pour s'inscrire. Ouais. On cherche un Messa blanc qui se dirige vers l'hôpital. Et je sais plus quoi faire avec. Écrit hôpital. Bonjour, monsieur. Alors, je vous parlais. L'école a démarré depuis une semaine et on a déjà des plaintes. Problème de bourdeur. Monsieur, quand deux élèves se battent en classe, on les sépare. On ne vise pas sur le canon. On a comme pour un collègue à 6-4 ans parce qu'il est maigre. Sacré bug, regarde. Et vous, monsieur, quand un élève traite la maman d'un autre de pute, on ne dit pas je sais pas. En vrai, je ne sais pas, je ne connais pas, c'est la mère Amika. Messieurs, je ne peux plus tolérer vos méthodes. De la pédagogie, l'école est passée en mode privé. D'ailleurs, l'inspecteur, qui est là, le Messa blanc est arrêté, c'est vrai, il était un peu mieux de la route et il prend son bain, ça va être vrai. Ah non,
Le raid qui avait suivi mon grappin sur le toit de la banque, est-ce qu'il peut l'enlever au dernier braquage, je demande leur grappin, est-ce que quelqu'un peut enlever son grappin? Et on a les deux mères qui se suivent, qui se prononcent pas du tout la même. Merci. Merci, c'est bon. Oh là là, et c'est grave ça. Titon, je te demande de move et tu move pas. Non mais il est absent, Titon. Move. Ah ouais. Ah ouais, il y a une formation à peu près tous les deux mois. Wouah, c'est long. J'ai dû move carrément. Ça c'est grave. Mais Titon, il est parti. Eh oui. Ah bon, et donc il nous a laissé comme ça, ok. Donc vraiment quoi. Vraiment quoi. En vrai mec, je sais pas si c'est un bon bail, parce que il me reste le même nombre de temps pour que je passe CMD police que le truc pour passer CMR raid, hein, sûrement. Sûrement. Donc, bah écoute, moi je te le dis, Michel, tu connais Michel. Non, ouais, mais genre, la volonté, genre, j'ai pas la volonté, tu vois. Genre, j'aime pas de passer de RF, pas, je vais pas dire RFBGU, j'ai pas la force, tu vois, de passer de Scarage, GE, etc., à seulement C36, tu vois. C'est trop, genre, t'as pas de puissance de feu. Le mec est loin, tu vas te faire éclater en un coup. En fait, tu vas te faire éclater, genre, trop facilement. Tu peux pas riposter avec une G36. Qu'avec une SCAR GE et un bon véhicule, tu peux riposter. Et moi, ce que j'aime pas, c'est me faire abattre sans pouvoir rien faire en échange. Sans pouvoir tuer des gens, tu vois. Donc, mais il est parti, Tyson. Oui, il est parti. Et c'est ça que j'aime pas. Mais par contre, Tyson, on est bien d'accord, il se fout de la gueule de tout le monde. Pourquoi? Il m'énerve. Mais il m'énerve, mais il a raison, mais ça me casse les pieds. Mais moi, ça me casse les pieds parce qu'il y a une formation tous les mois. Et moi, je fais une formation toutes les semaines, Patrick Jordan, ce bordel. Mais les formations, il faut trouver les trucs, il faut créer des trucs. C'est long. Formation, ça se prend 2 jours. Mais oui, mais ils ont qu'à regarder dans la réalité. Mais je vais faire un truc, c'est que je vais créer une survie Minecraft. Et ce que depuis 2019. Ah ouais, et c'est Bécasse Crème Crawl là-bas qui faisait ça. Et je vais créer une survie. Et la survie, en fait, ça va être. J'aime les zizi. Ça va être pendant les reboots hein, de Gmod que je pourrais y jouer, hein. Ça c'est grave. C'est 10 minutes par jour, je vais jouer sur Minecraft. Hop, tu trop Minecraft toi. Non, mais c'est juste quand j'ai rien à faire, je fais un truc comment. J'aime pas rester immobile à rien faire, tu vois. Mais je veux toujours faire un truc. Gros Minecraft, ça date de la nuit des temps. Mais c'est très bien Minecraft. Ouais. Mais dis. Désolé, à chaque fois lui il pique dans mes coffres et tout, le diamant, la nazorite. Mais je vois que tu parles. Je suis un arabe. Mais vous faites quoi? Vous faites comment vous pour jouer en ligne? Vous ouvrez une LAN ou vous faites. Vous ah, mais nous on fait tout, nous hein, on fait de la compète. Ta gueule, mais putain. Ouais, toi tu fais rien du tout, frérot. Viens Minecraft maintenant. Oui, bah oui, tu crois que j'ai Minecraft sur PC, espèce de gitan. Espèce de gitan. Pire insultant, ouais. Espèce de. Toi t'habites où déjà, je parlais plus. Au Canada, là. Tu casses les couilles, hein. Toi tu casses les couilles, frère, dis-toi.
Oh, bah la France gagne 2-0 face au Kazakhstan, je crois. Mm-hmm. Ouais, bah c'est pas brillant. Pas le Kazakhstan, c'est pas brillant. Kazakhstan, c'est pas brillant. Très grave, c'est comme lag. Hein, ça, c'est quelle heure là au Canada? Il doit être 9h là, non? 10h. Attends, 9? Ouais, non, 10h, c'est bien ce que je dis. Ah ouais? Oh, ouais! Bah ouais, donc moi, et vous aussi, je me couche tard. Ah ouais. Est-ce que vous, vous avez des décalages horaires et tout? Bah, MDR, décalage horaire. Oui, on a des changements d'horaire, oui. Oui, on a des changements d'horaire aussi. On n'habite pas dans des grottes, hein. Même si c'est beaucoup plus évolué qu'en France, hein. Il y a des trucs ah ouais bref, c'est trop technologique de fou. C'est mais moins que le Japon, mais c'est quand même plus que la France. Apparemment, la connexion au Canada est ultra chère. Non. Non, au contraire. Au contraire. Au contraire, ouais, elle est très bien. Moi, je crois que j'ai 360 mégas pour pas beaucoup, ouais. Pour un 50 euros par mois. Comme ça. Et je veux savoir, est-ce que vous avez la chaîne CBS? Quoi? Mais ils ont regardé beaucoup la télé, hein. C'est qu'en anglais la télé, donc on regarde pas beaucoup. Oui, bah oui, est-ce que vous avez la chaîne CBS? CBS, pourquoi? Est-ce que toi, tu regardes SWAT? Normalement, c'est le mercredi soir. Bah non, non, mais je loue, ouais, bah oui, SWAT. Bah, tu regardes? Ah oui, c'est grave, ça. Qu'est-ce qui est con? Mais du coup, c'est quelle chaîne, ou c'est sur quelle chaîne en Amérique? C'est un truc de chaîne, je sais pas. C'est longtemps que j'ai pas regardé, mais je regardais avant. Mais soit. C'est un truc CBS. C'est chiant, mais à poser 26 questions à la seconde, hein. CBS vidéos, un truc comme ça. Parce que la chaîne principale, genre, c'est en Amérique, c'est CBS, je crois. Ouais, un truc comme ça, ça doit être un truc comme ça. Hop, tac, de la pierre. Hop. Ah, c'est chiant ça, la télé en anglais et tout. Mais du coup, t'as déménagé quand? Il y a un peu d'un mois. Un an. Ah, oui, ça fait pas beaucoup de temps quoi. Non. Ah. Oui, je vais revenir. Ça me casse les couilles. Je reviens. Et pourquoi t'as déménagé là-bas? J'y sais pas. Et toi, t'arrêtes de poser des questions, tu commences à me casser les couilles. Je suis curieux, mec, arrête ou je vais te traquer. Ok, t'es sûr, hein? Mais je reviens en France là. Je reviens en France, ça me casse les couilles, le Canada. Ils sont éclatés en éducation, mon con. Ça a déjà reboot le sub ou pas là que je me crois? Non. Mais dis. 5, ouais, dans 2 minutes. Ça te dit, on décale le. Minecraft. Le... Ouais. Mais pourquoi vous voulez décaler le 2? Il y a Alien Indoor. Hein. Non, j'aime bien. Non, le 3, en fait. Le 3, il est bien. Hein, c'est... Moi, j'ai envie de rester sur le 3, mais j'ai envie de m'infiltrer sur le 3. Mais il n'y a pas d'action d'infiltration, tu sais, Coco. Bah, si, il y en a. Ça passe en vrai. Pourquoi il y a que du charbon, putain? C'est horrible. C'est bon, non, c'est pas cool. Là. Putain, j'aimerais trop habiter à LA, ça va être trop bien. Et par contre, c'est grand. Hein. C'est très cher aussi. 13 000 mètres carrés, la superficie de Los Angeles. Ouais, mais ça doit être très cher. 100% sûr que c'est très cher. Attends, je vais regarder. Los Angeles, ça doit être très très cher. Vas-y, maison Los Angeles. Ma maison, faut tu vas payer plus de 2 millions. 2 millions. 1 million 5, 2 millions. Facile. Maison individuelle à Los Angeles, comté de Los Angeles, 19 000. 19 000 quoi? Mais non, mais là, t'as une poubelle. Ah oui, 19 millions, ouais, parce que 19 000, frère, t'as une poubelle. La villa a fait 1021 mètres carrés.
Mais je te dis, tu prends un truc 50 mètres carrés, c'est déjà, ça commence à payer plus de 500 000. Genre, tu prends 50 mètres carrés, ça commence à faire 500 000. Hein. Comme ça, c'est cher. Ah ouais! Oh! Ouais, maison. 333 mètres carrés. Beverly Hills, 3 millions. Bah, à Santa Monica, 2 900 000. C'est cher. Oh, il est beau ce manoir. Oh. Ah, par contre, aussi le prix, il est beau. Sur Hollywood, ah oui, ah bah oui. Bah oui. D'accord. Le prix va avec la maison. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Les mecs, les agents immobiliers, ils travaillent sur. Mais ce qui me fait peur, genre tu vois, en Amérique, c'est le Big One. Le Big One, quoi. Ouais, tu connais pas? Non, je connais pas le Big One. C'est un méga tremblement de terre. Ah ouais. Ouais, qui pourrait. Ah oui. Oh, enculé, le prix. Oh, si je te dis le prix, tu vas sauter de ton siège. 139 283 925 euros. Par quoi? Des euros. Beverly Hills, mais ouais. Non, n'importe de combien. Ça, c'est une manoir là. C'est un manoir que je te dis. Ah, un manoir, bah ça va, un manoir ça fait au moins 1000 mètres carrés. Bah attends, je vais te dire, il y a combien là? Il y a, merde, c'était là. Bah j'ai perdu. C'est con. Merde. Billy. Oui. Inscris-toi pour la formation. Non, flemme. Bah Beverly Hills, non, mais j'ai pas les mètres carrés. Moi, mais personnellement, moi, Mehdi, moi je te conseille peut-être de le faire en passant plus rapidement commandant. C'est trop tard là. Mais viens, je viens de m'inscrire, on sait jamais. Sur quoi? Pour la formation. Ah oui, 2000 mètres carrés, 5 millions d'euros. Mais vous êtes en train de vous recoller ou pas? Moi, je suis Jaco, hein. Moi, je t'attends. Oh, cul, 11 millions. Bah oui, mais oui, hein. Mais je t'ai dit, frérot, hein. C'est LA, hein. C'est pas le même délire. On tourne pas au même délire. Hein. Combien? 11 millions. Une maison de combien mètres carrés? En vrai, il regarde des trucs de fou, mais les mecs, ils regardent un petit truc. Regarde un truc chaud, tu vois, un truc. Eh, Jason, tu sais que là, tu te fais démasquer? Une maison à 300 mètres carrés ou non, très rare, 220. La maison a fait 88 mètres carrés. Je sais pas si c'est beaucoup. 80 mètres carrés, c'est pas très, très grand. Ouais, mais quand même, pour LA, c'est déjà pas mal. Hein. Et bah, 436 000 euros. Voilà. Voilà, tu vois, pour 100 mètres carrés, t'as 500 000 quoi. Ça fait. Ah ouais. 5 000 euros le mètre carré, un truc comme ça. Ah ouais. Non, 50 000 euros le mètre carré. 50 000 euros le mètre carré. C'est impressionnant, ouais. Il y a vraiment beaucoup de maisons là à vendre. Hein. Mais en même temps, c'est des trucs petits. Soit c'est des trucs qui 13 millions, ou soit c'est des tout petits trucs de. Moi, la même, 200 000. Toi, Fran, oui. t'habites à Jean-Pierre Les Bentins. Non. Paul, tu peux me rendre mes sachets à douille, tout ça. Il faut que je passe. Comment ça? Ah voilà, je réapparais dans. Hein? Vanak, attends, viens de voir. Donc tu as juste ta G36. Ouais. Oh mince, est-ce que ça te dérange si j'enlève ta keycard? C'est juste ta keycard. Bah keycard, ça sert à rien, tu l'utiliseras jamais. Hein. Merci. RBGO. Mais par contre, fais gaffe, t'as ton badge. Ouais, j'ai... Oh là, le terrain 4645 mètres carrés, 380 mètres carrés, 10 millions. Ah ouais.
Non, pourquoi? Je te laisse taille à l'arrivée ton GAE, et voilà. Mais question, mais ta télé, tu l'as eu où? Midi, tu rajoutes une piscine 50 mètres carrés, tu rajoutes un million. Une question, déjà, mais t'as eu où ta tenue? Dans une caisse. Ah, ça, c'est grave. C'est quoi le nom de la tenue? Lara. Maison Québec. Lara. Toi, t'habites au Québec, toi, non? Non, moi, j'habite au Canada, pas au Québec. C'est Lara. Ontario. D'accord. Donc, on est obligé de l'avoir dans une caisse? Je sais pas si tu peux l'acheter. C'est qu'en perso, moi dans les caisses, j'ai jamais de bourre. J'ai toujours des danses ou des trucs comme ça. Non, moi j'ai soit des trust points, soit des glocks. Mais ta trust points, c'est insane, hein, tu sais. Les trust points, moi je rush à 15 000. À 15 000 trust points, j'ai le skin golden AK. Ah, tiens, mais... j'ai la carandour. Non, mais en vrai, on va dire que les trust points, c'est l'un des trucs que j'ai le plus souvent. Mais moi, c'est celui que je veux. Moi, j'ai des robots, Mais moi, les trucs que j'ai le moins souvent, c'est les voitures et les animations. Moi j'ai que ça. Mais t'as combien d'animations? Moi j'en ai juste deux. Ça va faire 3 jours d'affilée que j'ai eu que des robots dans mes caisses. Ah ouais? Moi j'ai le truc robot et le truc dab. Moi j'ai le dab et robot. Mais j'ai bonne laisse aussi. Mais en fait, moi les trucs que j'ai le moins, c'est les animations et les animations et les. Comment ça s'appelle? Et les voitures. Ah oui, et il y a aussi j'ai souvent le skin rebelle. Moi aussi. Non, le rebelle, en vrai, je l'ai pas mal. Moi, ouais, je l'ai eu 3 fois, je pense. On va tenter de s'infiltrer quelque part, Jason. Ouais. Moi, j'ai toujours un truc. Tu ne reviendras plus jamais en flic. Pourquoi? Non, mais c'est une question, Mehdi. Je ne sais pas. En vrai, c'est long de passer CMD ou pas, des jeunes. Bah, comme non. Richard. Non. Tu l'as fait en combien de temps, toi? Moi. CMD. Moi, CMD. CMD. Attends. Moi, je vais te le dire. En une semaine, attends. Non, je vais faire braquer. Non, c'est bon. Tu vas te faire braquer où? Non, c'est bon. Ah, il y a un Cadillac. Putain, c'est bon, Cadillac. Il y a un Cadillac, t'as des couilles. Bon, je vais goûter, j'arrive. Vas-y, bonne. Je vais acheter un petit appartement à Los Angeles, en 13 000. En vrai, moi, j'ai passé une semaine et trois jours. Une semaine et trois jours pour passer commandant. Ah ouais, non, moi, j'ai mis plus longtemps. Bah oui, mais ce que j'allais dire, toi t'as tryhard comme un porc, non? T'as tryhard comme un porc, ouais. Alors, on va essayer de faire un tryhard, parce que je ne sais pas s'il y a encore le temps. Mais laisse-moi, mec, je peux traîner vers les 9h par jour, en vrai. Si je tryhard bien mes morts, si je joue toute la soirée, mec, je peux faire du 9h par jour, en vrai. En une semaine, juste avant la tempête, ça nous a dit qu'il y en avait un qui... Je sais. Bah voilà. Bon, mec, moi ça met plus de temps, parce que... Si, le convoi est quand même là. On va préparer le convoi et on va voir si. Et le moment où on pourra, bah, comme ça, moi, il sera déjà préparé. Donc, je vais demander tout de suite. La mienne, vous la trouvez comment? Les polices, en salle de commande. Merci. Ah putain. Oh, viens à la banque. Je suis en dispatch, là, tu fais chier. Bah, je vais en dispatch. Normalement, j'ai les lunettes. Si j'enlève le masque, j'ai les lunettes d'aviateur là. Ah. Truc de kéké là. Kéké Master. C'est les choses de mamie, ça. Oh mec, j'ai tellement envie de bêler le truc, mais je vais pas le faire. Parce que je suis une victime. Ça, je te le fais pas dire. Va te foutre. Oui, un mec. Je te le fais pas dire. Hein. Bonjour à tous. Salut Paul. Ici le commandant raid. Non, capitaine. Non, commandant raid.
Sympa pousser des ailes comme ça là. C'est comme si moi j'étais inspecteur général. Non, inspecteur général. Ah bah non, Charlie il est passé DS1. Ouais. Inspecteur général bac. C'est un FDP de Wall Street ou quoi ici? Ouais. Ouais, de toute façon, dès que je passe inspecteur général, après je fais un peu de raid et de bug, je pense. Marco, jamais inspecteur général, Marco, jamais, jamais. Bah, c'est clair, en fait, je suis le pire policier, donc je pense que ouais. Ouais, c'est ça en plus. Et par contre, c'est une réunion Wall Street ou quoi ici là? Parce qu'on est les plus puissants. Je vais appeler ma famille là, je vais appeler mon gang là. Ouais, non, mais les Wall Street, t'as oups, là, on veut pas de fou. Elle est où la Wall Street? On la voit jamais. Elle est où la Wall Street? Ah, on la voit pas. Elle est là la Wall Street. Elle se fait péter le cul par tous les autres familles. Non. Alors, lui, il prendra un point négatif. Marco, tu préfères quoi entre les deux familles, entre Savastano et Wall Street? Tu préfères laquelle? Alors, je vais pas dire. Regarde, il y a qui en face de toi, t'as intérêt à choisir. Savastano. Merci. Ouais, bah oui, alors, Savastano, Marco... elle est beaucoup plus puissante. Arrête, tu peux pas dire le contraire. C'est vrai, Savastano, c'est vrai qu'ils sont plus puissants. Tu préfères qui? Arrête de choisir aucun des deux. Voilà, c'est bien. Je préfère à Savastano. Voilà, c'est bien. La puissance, c'est pas forcément ce qui fait de famille. La puissance, c'est pas forcément ce qui fait de la famille. Il y a d'autres choses. C'est le talent qui est à l'intérieur. Pas toi, c'est des titouans quoi. Et les gars, vous êtes trop sérieux. Alors là, je vais prendre mon DRB, je vais te mettre deux balles. Vas-y. Je vais te mettre deux balles. Est-ce que je pourrais avoir toutes les unités de dispatch, s'il vous plaît? Police, raid et bac, merci. Bah alors, Paul, on fait quoi là? Oh putain, les gueules. Devais-je dire Pauline ne? Oula. T'es bizarre. T'es vraiment bizarre. Bah, Pauline Wall Street. Ah ouais? Redson, regarde un chat. Pauline. Putain, mais t'es un gamin. Slash me. D'ailleurs, c'est Wall ou Well? Dis-toi, une question. C'est Wall, comme c'est dire. C'est Wall, c'est le maire de la street. Oreillette de Wall Street. Pourquoi je suis pas dans Ami? Dans Team Ami? Vive la Savastano, mort Wall Street, hein, comme on dit. Ah, merci. C'est qui a dit ça? Ah, c'est moi, Alexandre, c'est moi. Okay. Bah, c'est le Joseph. Aïe, oh, d'où tu me touches là? Oh, j'allais faire le jeu avec la radio. C'est pour Pauline, Marco. Ça, c'est pour Pauline. Ouais, mais je vais t'appeler Pauline maintenant. Sache-le. Non. Si, si. Tu vas me casser les coups. Ah, Marie, toutes les unités police seraient des bacs. Ouais, il y a mis le message PRB. Marie Rodriguez, commissaire divisionnaire. Marco passe devant. Tu passeras devant pendant les interventions. Pour la sécurité de. De la balle de GEU qui va te mettre. Attends, je vais mettre. Alexandre, arrête. T'as trouvé ta muscle aussi? C'est pas bien. Savastano en plus. Bon, Savastano. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de d'organisation, s'il vous plaît? Allez, on s'accroche, s'il vous plaît. Je vais demander un peu plus d'organisation, s'il vous plaît. Regardez, mais je te saoule. Assieds-toi à côté de tes amis, là. Je vais sûrement devoir partir, je préviens. Je vais m'asseoir là. Touk, attendez. Bon, parlons à faire là. Hop là. C'est quand qu'on fait un bac police qu'au trade là? Quand tu veux. Longtemps. Donc, le convoi va être très simple. Quelqu'un a de l'argent parce que je suis pauvre et je vais pas pouvoir mettre les cubes. Ouais, tiens. Ouais, à ce point. Oui. Moi j'ai 7$, ça te suffit? Merci. De rien pour les 1000€. Bon. Et merci, José. Hein. Turner, dis que la Savastano c'est la meilleure que Wall Street. Pas besoin de le dire, ils le savent. Ils le savent, tais-toi, José. Ah oui, c'est vrai, ils le savent déjà. Mais Savastano c'est de la merde. Bah, gars, les coups de base dans sa gueule. On a entendu. J'avais le mégaphone, oups. Bon, allez, on y retourne. Oups. Bon, t'inquiète pas, on verra bon. Pas. Hein. Ouais. Et ça, Sano, elle est bien. Mais voilà.
Donc, les petits culs. Là, tout ça. Pas ma faute. C'est la self-défense, on va dire, avec les hommes qui. C'est la self-défense. La Qu'est-ce que tu prends là avec une RFB? Bah, c'est parce que c'est de la self-défense. Pauline, retire ta RFB s'il te plaît. D'accord. C'est de la self-défense. Les policiers, voilà. Ça sera un raid qui va conduire le convoi, parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est moi qui conduis, c'est moi qui conduis. Bon, Pauline, on va pas te. Non, c'était RFB. C'est moi qui conduis. T'es crié, bande de sauvages. Non. Voilà, ça c'est vrai. Bah, là je suis contrarié, là je suis rien. Vito qui crie, hein. Sauvage. Bah, énerve-toi sur un Wall Street, voyons. Non, mais c'est, bien, bien, bien. C'est incroyable. Touche-moi, Turner. Oula. On va te mettre un meilleur fun, mon pote. Coup de masse. Voilà, hop, dans le front. Voilà. Dans le front. Donc, on va faire les petites couleurs. Il a un casque, il a de la chance. Que sinon, sans casque, ou là. Et bam, oh, la en plein incendie. Bah oui. Par contre, Alexandre, t'arrêtes de pointer dans une seconde, tu prends un point négatif. Un. Allez, hop, c'est fait. Ah oui, mais attention, Paul, il fait. Paul, tu conduis très bien, hein. Tu conduis très très bien. T'inquiète, parce que la dernière fois, non, la table, la table, t'as sali la table. Je pensais pas qu'on pouvait. Tu vas faire un rapport pour rien, mais bon. Femme, bah, la table, elle sera verte, elle est belle en verte. Putain. Je rigole. La dernière fois, celui qui m'a dit qu'il savait pas. Je viens comprendre pourquoi elle a disparu la dernière fois. Julien, il a fait trois volants, en retournant. Il est retourné gardien raid. La dernière fois qu'il y a quelqu'un qui m'a insulté, Julien, il est. Tu vas faire un rapport pour R. Je te vexe trop vite, tu vas faire. Oui, mais il est retourné gardien. Il est pas loin de retourner gardien raid. Il l'a pas eu, mais la prochaine fois il l'aura. Bon, ça. Voilà. Moi j'ai déjà fait. Là. Moi j'ai jamais fait de rapport. Joseph, t'as pas entendu. Ni positif. Parce que ni t'es trop sympa, toi, tu vois. Mais dis tes même pas des politiques. Dis-toi, c'est le champ de la veine. Dis-toi, c'est le champ de la veine. Comparé à Paul, c'est pas le champ de la veine. Bah, Tito, depuis qu'il il est LFBGE. Ah, et je gueule plus, hein, Wolfight. Ouais, rapport négatif. Rapport négatif. Les bacs, je vais vous laisser vous organiser. Voilà, c'est pas à moi de. Voilà. Les raids, est-ce que vous voulez que je rajoute un troisième véhicule pour vous? Ou sinon, c'est deux par véhicule et c'est Paul qui conduit. Par contre, Paul qui conduit pas. Moi, je suis un chef raid. C'est Paul qui conduit. Non, mais attends. Non, Diggy conduit bien, parce que sinon, tu prends un rapport négatif. Diggy conduit bien. Non, mais. Attends, organisation en 5 secondes. On prend la Cadillac, on prend la Cadillac et après, on part en éclaireur dès que le convoi est lancé pour voir ça. Oh, c'est fini. J'ai mon brassard ou petit tourne. Ouais. Attends. Ouais. Putain, mais attends. Oh putain. Y'a plus de convoi. Ouais. Y'a plus de convoi. Salut Titouan. Avance Curtis, avance. Convoi, bah, ouais, faut prendre la bagnole, faut prendre la bagnole. Je peux venir avec vous? Vas-y, monte. Ouais, bah attends, mais à d'autres polices. Pas grave. Allez, roule. Ouais, vas-y, hein. Tiens, on va y aller, hein. Ok, on va les raids, je vous laisse. Débrouillez au niveau. Taxi. Tu sais pas conduire, elle est là-bas, c'est le taxi maintenant. Ah, les dérapages à gauche. Oh wow, ça c'était la barrière à mon terminal. Ah ouais. Oh putain, mais Titouan, à chaque fois tu sais pas conduire, je sais pas comment tu fais, Titouan. Putain, c'est pas possible. T'es nul, tu sais pas conduire. Bien joué. Voilà. Allez, je nous emmène. Voilà, c'est bon. Bonjour monsieur le coq. Bon, non, pas de toi, je pense que c'est vite. Ah, attends, laissez-moi le gars.
le gars à côté regarde dans le... Est-ce que je peux faire les barricades là-bas, s'il te plaît? J'ai pas d'argent, mais il y a un petit problème. Dans 5 minutes, j'ai une formation là. Mais est-ce que je m'en ai un peu fait envoler quoi? Aïe aïe aïe. Mais il fait quoi lui? Avec quelqu'un qui avait tenté de voler mon véhicule alors que venais juste de descendre de mon véhicule. Le point pas. Du coup, le Red Vito Sanstano rentre en négociation donc il est à sa radio. Merci. Okay, voilà, je vais passer les unités de raid. J'espère que vous écoutez bien, je vais pas le répéter deux fois. Donc je veux Alexandre dans les égouts qui fait un RS et vous toutes les 5 minutes. Ouais. Et je veux Joser sur les toits. Et un RS toutes les 5 minutes, voilà. Terminé. Ieb, il est où Ieb? Ieb, t'es dans les égouts aussi. Hein. Il est sur ton motel. Il est sur le ton motel. Ah, ok. Il y a José, toi, il y a Alexandre dans les égouts. Il y a Ieb, toi, il y a truc qui nous. On est 5 là, c'est bon. C'est le commissaire qui m'a dit de partir dans les égouts. Est-ce que je peux avoir la plupart des unités de police pendant que les... Dans tes cas, si tu tombes dans les égouts, je te rattrape. Normalement, tu vas pas tomber. Non, j'ai pas de... Tiens, par contre, moi aussi, je commence à avoir un petit peu... Attends, j'ai la main sur le cœur. Hein. Non, mais il y a la main sur le cœur. En fait, là, dans mon unité... Est-ce que je pourrais avoir toutes les unités de police autour de moi, s'il vous plaît? Au niveau de la plaque d'égout, merci. Vas-y. Marco, je vois. Mais en fait, il y a personne. Après moi, il y avait Alexandre. Il y a personne en fait. Bah ouais. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la. Paul, c'est normal qu'il y ait deux personnes qui essayent. C'est pas normal, si vous commencez à être armé, vous les abattez. Non, j'ai pas à faire. Moi, je vais arrêter la police. Je vais arrêter la police. C'est moi, je viens de passer. On va avoir une intervention. J'ai même problème. Oh, dégueulasse. Il y a du monde. Comment allez-vous? Bien. Oh, et toi? Ah, bien. S'ils tirent, par contre, là, tu tires. Et tu les pointes pas, parce que sinon, ils vont sortir le truc et ils vont tirer. T'inquiète pas, j'ai pas pointé, je suis en safe. Ouais. Bah, bien sûr. Mon métier, Paul. Tu kiffes. C'est bien. Non, pas une game, sinon, étant donné qu'on est un peu nombreux, ça prend tous les slots et ça va... Ok. Très chiant pour les gens. Bah tu peux, en vrai tu peux venir sur le 1, hein. On est 3. Ouais mais honnêtement, si on se fait sur Discord ou in-game ça change rien donc... Comme vous voulez. Sur Discord. De toute manière on est juste à un endroit précis, après on est plus... On est ouais, pas évitez pas, hein, juste de vous mettre AFK sinon vous prenez un AFK police. Ouais, ça va. Du coup ça va aller très vite je pense, ils sont 3 braqueurs, 2 de RFB, 1 de AK-47, ils n'ont c'est qu'un seul otage et ils vont déjà nous l'échanger contre un sac de banque, donc dans quelques instants ils seront sans aucun otage. Il n'y avait pas de bagnole de police donc, à la fin logiquement. Hein. Je vais demander au capitaine Red s'il veut bien. Ouais, et il y a une petite cure, unités, je vais la laisser. Placer des unités, attendez. Placer des unités. Vito, les unités sont déjà placées, il y a moi sur le toit et 2 unités. Début de la semaine, on était quand? Donc, et c'est un moyen de sortie pour eux, donc j'aimerais bien des unités. J'y suis déjà. Sur le toit? T'es sur le toit? J'ai quand même l'enlever parce que Okay, mon pseudo, ça va être chiant.
Il faudrait déjà un sur le toit dans les égouts, du coup, si ça fait tant mieux. Du coup... Qui vous tire dessus ? Qui vous tire dessus ? Qui est donc... Bon, encore, ils sont à l'avoir, encore, quoi. Ok. Jason, tu veux égout aussi. Jason, égout. Jason, tu vas dans les égouts et tu tournes. Arsène, c'est une... Ouais... Comme il sera principal, je vais garder des gars dans les égouts et des gars sur le toit. Et si quelqu'un sait me ramener un sac de banque, s'il vous plaît. Des gens courent. Ça vous tient dessus, Warcraft. Okay, ça vous tient. J'attends les derniers. Avec un sac de banque. Je vais vérifier que tout le monde est là ou voir s'il y a des armes. Il a World Cup là. Et après, on va commencer. Donc, on commence vers 40 ans. Un petit peu attendre quand même. Yo, Romain, il a dit qu'il serait un peu AFK. Ouais, j'ai vu. Je banque en cours le raid négociation. Encore une personne là-bas. Fais gaffe, j'ai failli t'allumer, j'ai eu peur, j'ai pas vu ton brassard. Ah Dak. Attends. Ah si. Bon, il a battu tout le monde. Du coup préparez-vous, on va récupérer l'otage, donc ils vont être bientôt sans otage. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Mais après pas préparez-vous tout le monde. Tu mets une balle ou pas? Pas tout le monde est mort au niveau de. Non, il vient de lancer une molotov de d'en haut, donc du coup pas tout le monde est mort. Bah il reste une personne. Clou ça Stano. Ouais. C'était pas toi qui m'avait cloué au sol? J'ai mis deux balles de gel à une personne, à deux personnes. Ouais, okay. Ils sont l'eau. Désolé pour la blague. Ah, c'était limite là. Du coup, moi je commence à m'infiltrer dans les conduits. Elle était où la vanne? J'ai pas compris. Et regarde son pseudo et tu comprendras. Mais il s'appelle Cloops, pas Clou. Ah merde! Alors, alors. Ouais, mais là tu sais m'oublier. On oublie, d'accord. On refait autre chose, on recommence, d'accord. Et vous tous pas bien pour le moment. Est-ce que t'aimes bien le spectacle ou pas? Par contre, on est juste deux. Arrêtez les personnes bleues là, bleu qui court vers le motel Romain. Arrêtez, ils sont braqués. J'adore le risque. Les mecs en bleu Romain, tu vas me les arrêter, ils sont. Et la formation, c'est jusqu'à commissaire Max. Un masque Max Johnson. Mehdi, vas-y. Mehdi, va les trucs. Va les trucs, Mehdi. J'ai pas capté, mais c'est pas grave. Mais tu peux les en mec en bleu. Alors, si j'ai compris, c'est Max commissaire, d'accord. Je vais te comprendre. Hé, Patrick, est-ce que t'as la truc? J'ai pas vu la trace. Je suis à fond. C'est parfait. On est une bande de bras cassés, moi, je le dis. Baptiste, oh finaise. Ils sont dans le motel. Mais, ouais, ils attends, mais ouais, je me sers ou quoi, Baptiste, frère, ça fait 30 ans que t'es pas regarde vu, dans moi. Le motel, s'il te plaît. Fais attention à toi, mais regarde dans le motel. Deux ouais, hommes je sais, en bleu. Je ne vois plus une gamme, rien. Des masques. T'es passé où? Il y a un mec encore Warcraft, je viens de le voir. Là, il se fout sur le 1. Là-bas ou pas? Ah oui, non, mais il doit jouer sur le 2. Si il est armé, tu l'abats. Au-dessus du motel. Otage save, ils ont plus d'otage. Hein. Faites gaffe, égout, faites gaffe sur le. Hey, Alexandre, oui. Alexandre Filman, t'es sûr que t'as pas faim? Parce que Fidman. Il y a des tirs, pouvons-nous avoir une ou deux personnes supplémentaires dans les égouts? Je peux taper, heureusement. Ah, il t'a muté bien, mais tant mieux. Mais je viens avec toi pour le taper, si tu veux. Je viens avec toi. Oh, je te jure que c'est le pire. Ok. On attend encore 2-3 minutes et on va commencer. On va voir s'il y a des gens qui se réveillent. Ça m'étonnerait. Quelqu'un peut voir le coffre en haut, s'il vous plaît? Je vois pas où est le problème. Mais, sérieusement, les gars, mais vous allez dormir à quelle heure? Juste pour info. 7h. Est-ce qu'il y a de la bouffe en haut? Du matin. Est-ce qu'il y a de la bouffe? Mais non, c'est pas rien. Possible. What? Mais vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible là. Pourquoi vous...
Mais pourquoi en fait vous restez tard le soir, vous pouvez venir toute la journée? Prise du service du lieutenant Matou Marcos. Et deux, parce que t'as des bébés qui pleurent toute la nuit jusqu'à 7h du matin. Et quand tu te couches, et ben tu te réveilles à 9h du matin parce qu'ils pleurent encore et encore. Et voilà, et tu ne dors pas et t'en es une bébé. Ouais, mais alors tu vois, la nuit y a pas beaucoup de monde connecté sur le serveur, donc ça peut être fun. Mais j'essaye pas de jouer. C'est de dormir la nuit. Ok, ils sont passés dans les égouts, comme ça passe pas sur moi. Non, en même temps, tu fais pas l'effort. L'autre jour, hier, t'es rentré jusqu'à 6h, t'as regardé The Walking Dead. Oui, mais bon, ça, c'est une exception. Là, ok. Oh, par contre, vous avez avancé jusqu'où? Parce que j'avais la flemme de regarder. Oh, là, on est au moins saison 8, épisode 40. Là, c'est. Mais avant, on a passé quoi? On a regardé au moins 7, 8 épisodes. Mais il s'est passé quoi? Des dingueries. On peut pas dire, mais imagine, il y a des gens qui regardent ici. Ouais. Ricky meurt! Que vous regardez The Walking Dead? Imagine! Comment tu me dis? Les gars, si déjà Ricky meurt, c'est que c'est la fin de la saison. Hein. La fin de la série, je veux dire. Mais c'est en plein milieu. C'est son fils qui va prendre le relais, bien sûr. À moins qu'il meure aussi, hein, on sait pas. À moins qu'il meure aussi, oui, effectivement. Ouais, ben voilà, s'ils meurent tous les deux, l'action. Imagine, Corona, ils font comment? Et bah. Par contre, Corona. Il y a un mec qui lâche un spoil ici, je le reporte. Dis-moi les mecs qui sont morts, du coup, tu me le diras après. Ah, les mecs qui sont morts, cette bille. À moins que j'en ai pas, pourquoi? Il y en a pas mal. Il y en a un ou deux, je crois. Oh bâtard. Il y en a deux, je crois, qui sont morts. Attends, cherche plus, je te dis un truc, j'oublie les deux frères qui se sont retrouvés là. Les deux beaux. Bouge, dis-toi. Il y en a un derrière le coffre. Ouais, les deux là, que ça m'a coupé et l'autre là. Ouais. Ah, mais vous êtes qu'à là? Ouais, bah on a commencé il y a 4 jours. On a encore des puceaux, nous, Walking Dead. Hein. Comment? On est qu'à 4-5 jours, on est saison 3 là. En haut. Ah, ok. Non, entre les deux trucs, tu sais. Quelqu'un me fait la courte ou pas? Je monte. Ça date pas d'hier. Pardon. Non, y'en a plus au-dessus, y'en a plus. Ils se sont tirés. J'ai plus rien à faire sur les pseudos, c'est triste. Il y a des Excusez-moi, j'ai eu un problème. Est-ce que tout le monde est mort en haut ou il reste des gens? Si, attends, je suis sûr que je vais trouver des gens. Il reste un braqueur. Oh non. Mais tout en haut. Mais c'est quoi les gars, le grade? Il reste des gens en haut. C'est bon, il n'y a plus personne en haut. Il n'y a plus personne en haut. Il y a des gens. J'ai une game. Qui reste? J'ai une game. Une question. Tu gardes le nom de famille de la Warp alors qu'elle a été dissoute ou c'est moi? De quoi? La Warp, elle a été dissoute, Tony. Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié de changer. Je suis une nouvelle famille, je suis Alpha maintenant, je suis dans le parrain de l'Alpha. C'est bon, ils sont morts. Comment ça, Alpha, Beta? Il y a combien de cadavres? Elle est gros, la grille. Elle est dans l'humour. Ah, il est drôle, là, franchement. Alpha, t'en gauche. Le Discord de l'Alpha. À qui? À Teddy. À Teddy's. Attends, il est où? Teddy. Hop. Envoyer Discord Alpha. Voilà. Mais t'as pas fait une pub de ton Discord? Si, t'as fait une pub. Si, dans le République de l'illégal, moi. Ouais, dans la famille illégale, je sais pas quoi. Donc, attends, mais la Alpha, c'est une famille? Ouais. Ah ouais. Attends, c'est moi, il y a un truc pas glissant. Non, ils sont tous morts, Tous morts, t'es mal Alpha, c'est ça? Y'a la White. T'es sûr, hein, parce que c'était ouvert. Y'a pas, y'a exactement White. Pas là, vas-y, moi je vais me mettre sur la banque. Il faut remonter. Dis-moi quand environ. Oui, tu crois que j'ai tout sous les yeux ou quoi? Quand même, t'as froid, mais faut quand même gérer un peu tes trucs. Hein. Ouais, bah, 2 minutes. Est-ce que t'es belge, Tony? Bah, un peu de fouet, je suis belge. Toutes les unités se lèvent, je vais faire le convoi tant attendu. Bah, belge de Belgique. Ouais, mais de quelle région en Belgique? Ah bah de Liège. Ok, je me tais, c'est bon. Parce que nous, on est déjà organisé. Qui on prend ce véhicule, on part en éclaireur. Comment? Et tu viens d'où, de Liège? Non, pas moi. Nous, en vrai, on est déjà organisé. Ça je peux pas dire, par contre. Pourquoi tu peux pas dire? Je suis trop en mode localisation au GPS, tant que tu es, mes coordonnées. Non, mais quelle commune? Plus ou moins. Environ. Il a invalide ton lien, Pélo. Léron. Quoi? T'as dit quoi? Quelle commune? Elle dit Bléron. Non, Bléron.
Non, pas Blairon. Blairon, pas Blairon. Ah, Blairon, c'est à 20 minutes de chez moi, frère. Avant, t'étais pas commandant. Oh, vas-y, t'habites. Donne-moi tes coordonnées, je vais venir te gifler. Commandant, mais non, 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 attends. Chef, mec, il va t'envoyer des pizzas chez toi. Ouais, bah. Non. Et en plus, j'ai gentil parce qu'il paye. J'ai fait une fois. Non, non, non. Je paye pas moi. Le début de la formation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va commencer. Ah, donc, ça parle bah, beaucoup, la Savastano. Là. Oui. Oh. Ça va, Stablo. Et la Savastano, elle dit rien. Oh là là là. Ouais. Il a dit quoi? Ça pourrait commencer. Il est Stablo. Ok, on rend lui. Ah, provocation. Du coup, on va commencer. Donc. Actuellement, c'est une formation officielle donc de lieutenant à commissaire. Donc, ce qui différencie un officier des autres, c'est que l'officier doit gérer ses unités. C'est plus un agent qui prend son service, qui met sa PDS et qui part en patrouille et qui tout simplement part en patrouille lambda. À part pour les raids, back and gun, etc. Vous pouvez partir en patrouille, mais en tant qu'officier dans la police, c'est pas votre job de partir comme ça en patrouille, genre comme un gardien ou un sous-officier tout simplement. Donc, c'est pour ça que. Pour les officiers, on vous en demande plus. Du coup, tout simplement, votre prise de service, vous en premier, étant donné que vous êtes un officier, vous n'êtes plus là pour simplement patrouiller. Il faut quand même se renseigner sur la situation, donc le dernier dispatch, le plus haut gradé, les interventions. Donc, si c'est ce qu'il faut faire à votre début de service. Ok. Du coup, le fait de gérer ces unités, il y a deux façons distinctes de gérer ces unités, pardon. Donc, pour les lieutenants-capitaines, qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer des gros dispatchs, de faire des grosses interventions, de savoir gérer 10 gardiens en face de vous, c'est sûr que c'est compréhensible que vous n'y arrivez pas tout de suite, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner par des choses plus simples, comme gérer ces unités dans une patrouille. Il y a deux gardiens qui ont pris leur service, vous leur faites une mini-formation, vous les prenez avec vous en patrouille, vous leur expliquez sur le terrain. Ça sert à rien de vouloir former 10 personnes dans un dispatch direct sans savoir... déjà par quoi commencer. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par des petites patrouilles tranquilles avec 2-3 personnes avec vous maximum. Ça sert à rien du coup de prendre 20 personnes devant vous et être perdu totalement. Donc c'est pour ça que c'est plus simple pour les capitaines lieutenants de gérer une simple patrouille, pas hyper compliqué, mais juste commencer par là. C'est comme ça que vous arriverez à gérer plus d'unités dans le futur. Donc, ce que je vous conseille, les lieutenants et les capitaines, c'est tout simplement vous diriger vers les commissaires principaux, les gradés, afin de gérer vos unités, mais en plus petits effectifs. Ensuite, il y aura les commandants commissaires qui ont plus de responsabilités et que eux, ils ont plus d'expérience, du coup, dans les officiers. Donc, ce que vous pouvez faire, j'ai pas de problème de micro parce que. Non. Ok, bah non, Tony, c'est toi. Ah bah c'est bizarre, j'entends des fois que ta voix arrive un peu, mais c'est pas grave. Ouais, je sais pas. Ok, du coup pour les commandants commissaires, vous avez plus de responsabilités, vous avez déjà formé des unités, vous avez déjà patrouillé de nombreuses fois, etc. Donc normalement, à partir de ce grade, si vous savez pas encore faire de grosses interventions, de gérer plus d'unités, vous remettez en question et essayez de trouver une solution pour remédier à ça. Ok, donc c'est pour ça que, en tant que commissaire, ce qui est demandé, c'est de savoir faire tout simplement un dispatch et gérer, du coup, la centrale qu'on verra un petit peu après. Donc, dans le dispatch, il y a plusieurs choses essentielles à savoir et à présenter, étant donné que ça sert à rien d'arriver au dispatch et de dire, est-ce que vous avez des questions? Pas de réponse. Bon, bah, je fais les patrouilles, bonne journée, et je reste en centrale et je clone de commissariat sans rien faire. Ça, c'est pas le job d'un officier. Il a plus de responsabilités et plus d'attentes. Du coup, dans le dispatch, il y a tout simplement je vous donne quelques exemples que vous pouvez faire pendant un dispatch. Ce que vous pouvez faire, c'est soit vous poser des questions à des gens. Moi, c'est ce que je fais. Mais après... Ah, Vito. Vito qui arrive. Hello. Excusez-moi du retard. Pas de souci. Du coup, comme je disais, dans le dispatch, il y a plusieurs choses à voir et à comprendre. Ça sert à rien d'arriver et dire « Vous avez des questions ? » Non, et on repart. Ok ? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout simplement expliquer un par un, poser des questions aux joueurs, donc aux agents plutôt. Donc premièrement, je vous donne des exemples, vous présentez ce qui se passe, ce que vous allez faire, vous mettez un petit plan à votre dispatch, ça sert à rien de le faire à l'OL again, il faut minimum se préparer.
Ensuite, vous préparez, vous présentez l'utilisation de la radio sexuelle et vocale. C'est le plus important, parce qu'actuellement, quand il y a plus de 10-15 unités en ville, c'est le Dawa sur la radio. Et si vous, en tant qu'officier et gradé, vous savez pas gérer ça et faire en sorte que les personnes ne parlent pas tout le temps dans la radio vocale, pardon, genre ce sera un bordel, il faut savoir gérer ce système pour que l'organisation soit parfaite. Également, du coup, l'arme létale, hein, pour éviter de rafales les véhicules en refus d'obtempérer des études, c'est logique. Le taser, expliquer le système d'amende. Parce que beaucoup mettent l'amende en plein milieu de la route, et ça gâche le RP, les scènes sont éclatées au sol, et c'est pour ça qu'il faut bien expliquer, de mettre les amendes au commissariat, dans un bureau, une action propre, etc. C'est comme ça que le RP va augmenter et que les erreurs sont moindres. Aussi, il y a un petit truc que j'aimerais rajouter. Il y en a qui connaissent sûrement, Romain et tout, on fait ça régulièrement. Les prises de vacances, c'est tout simplement les prises de patrouille. C'est-à-dire, je pars en patrouille, c'est une prise de vacances. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes l'unité Bravo. Et ben, votre prise de vacances sera prise de vacances, équipe Bravo. Nous sommes trois dans l'équipe, donc effectif, trois personnes. Et ensuite, vous marquez le véhicule. Donc ça peut être une Dodge, une Evo, n'importe quoi. Hein. Ça dépend si vous êtes BAC, RAID ou police. Et ensuite, vous marquez votre secteur. Donc ce sera sûrement un secteur global, c'est-à-dire que vous patrouillez où vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est un truc important et qu'il faut retenir. Comme ça, admettons, c'est souvent utile en BAC, parce que admettons, vous roulez en scooter, en voiture, et ben deux minutes après, vous avez créé un feu rouge, vous vous arrêtez. Et ensuite, si vous n'avez pas mis quel véhicule vous êtes... vous pouvez vous faire arrêter, donc c'est utile pour savoir les véhicules sont en débac. J'ai juste également une question, Patrick. Vas-y, donc, vas-y. Prise de vacances, on est bien d'accord que quand on est écrit dans le chat, c'est bien PDV. On est d'accord. PDV, prise de vacances, c'est comme PDS. D'accord, pas de souci. Merci. Ouais, ça va mettre dans le chat, Chris. Après, quand tu prends ta prise de vacances en police, t'es obligé de mettre... le véhicule que tu prends. Et... voilà, c'est plus simple comme ça. Admettons, on voit un véhicule passer. On sait qu'il n'y a que la Bravo qui est en Dodge. Du coup, on sait que c'est la Bravo qui vient de passer. Et on n'a pas besoin de gueuler dans la radio. C'est qui vient de passer devant le commissariat, tu vois. Donc, okay. C'est des choses qui sont à faire. Et comme ça, bon, au moins, on saura tout ce qu'il y a à savoir sur les unités. Chris, tu n'avais pas compris que je répondais à une question. Tu m'as envoyé un MP. Yes. Parle que en MP, lui. Ouais. Genre, comment l'écrire? Bah, PDV, par exemple. PDV, prise de vacation. Après, tu peux l'écrire. Hein. C'est comme une PDS, FDS, fin de service, prise de service. Après, il y en a qui écrivent prise de service pour faire un truc plus propre. Mais c'est comme... Et ensuite, genre... je vais redire. C'est... PDV, ensuite tu marques le nom de ton équipe, donc ça peut être Alpha Police, Alpha Bac, Alpha Red, Bravo Police, etc. Comme ça on sait votre unité. Ensuite le nombre d'effectifs, ça dépend, vous êtes combien dans le véhicule, c'est 3 dans le véhicule, 3 effectifs, ou 3 personnes à bord, hein, tu formules comme tu veux. Ensuite le véhicule, donc en Bac c'est souvent utile, mais en Police et Red également. Hein. Et ensuite le secteur global, c'est-à-dire tu patrouilles où tu veux. Après, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, mais... je crois qu'il y a, s'il avait déjà fait, toi tu patrouilles dans le centre-ville hôpital, il y a le quartier riche centre-ville, il y en a désert motel, sur le serveur 2 par exemple. Parce que après, genre la plupart du temps, ce sera un secteur global, comme ça, il n'y a pas de règles à suivre par rapport à... voilà, c'est ça. Voilà, Chris. Ensuite, par rapport à la centrale, bien sûr, la centrale, c'est la suite du dispatch. Donc c'est le fait de rester au commissariat et de donner les instructions à toutes les unités. Et puis un appel, vous dites Alpha, vous allez à l'appel, bien sûr, dans la radio textuelle pour tous les messages. Ensuite, c'est le fait de faire le relais entre les patrouilles pour y avoir une communication meilleure. Et au moins quelqu'un qui supervise. Si la personne qui supervise est dans un véhicule et qui patrouille, c'est strictement impossible de savoir tout gérer. Également, la centrale elle est là aussi pour... affecter des gens à des unités. S'il y a un policier qui vient d'arriver, celui qui est en voiture, il pourra en aucun cas gérer la personne qui vient d'arriver, surtout si c'est un nouveau joueur et qu'il ne sait pas comment allumer sa radio et il ne sait pas faire sa prise de service ou gueule dans la radio pour dire prise de service. C'est sûr que la personne à la centrale, elle met une caméra devant le PNJ, elle sait quand il y a une personne qui arrive, elle va la voir, elle affecte une patrouille et c'est comme ça que l'organisation est meilleure.
Donc c'est grâce à ça que la centrale existe. Donc la centrale, c'est deux personnes minimum, jamais tout seul, parce qu'il y a deux postes dans la centrale. Le fait d'affecter des gens à la patrouille est déjà fait de communiquer avec les autres patrouilles. Donc la personne qui affecte les gens à la patrouille, genre la personne qui arrive, elle l'affecte directement à une patrouille, gère le commissariat et fait en sorte que le commissariat soit bien organisé. Et la personne qui parle à radio textuelle, c'est la personne qui dit « Bon, Alpha, vous allez à l'appel, bravo, vous revenez au commissariat pour rechercher un coéquipier. Charlie, rapporte situation, s'il vous plaît. » Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais la plupart du temps, ce qui est problématique, c'est quand il y a une personne au niveau de la radio textuelle, la centrale, pardon, c'est que la personne crie dans la radio pendant 5 minutes parce que personne n'écoute et que la communication n'est pas bonne. Donc c'est pour ça qu'il faut m'envoyer 2, 3 si vraiment vous galérez, il y a trop de monde. Mais le plus du temps, quand vous gérez 2, c'est suffisant. Donc par rapport à la centrale, voilà. Donc par rapport à la radio textuelle, vos messages, la plupart du temps, c'est vous doit être mis en valeur. Donc le message, la plupart du temps, vous évitez de le mettre en multicolore, mais en rouge ou en gras, pour bien montrer, pour qu'on fasse attention à... qu'on fasse attention à vos messages et que vous pourrez bien les voir, pour éviter de spam 3 fois le message pour que la personne revienne au commissariat. C'est beaucoup plus simple de mettre en rouge, etc., en vert, pour bien montrer que vous êtes là. Et également, on évite les fautes d'orthographe. Après, ça peut être compréhensible que certains fassent des fautes, mais en tant que central, vous êtes là pour montrer l'exemple. Et en tant que gradé, voir un commissaire qui fait 3 fautes en 3 mots, bah, ça montre pas vraiment l'exemple. Après, ça peut être compréhensible, mais il faut faire un effort aussi. Ensuite, les rapports de situation dans la centrale, c'est important aussi. Donc, la centrale, il y a déjà une formation dessus et c'est beaucoup plus précis. Là, je reviens sur les choses importantes. Mais si vous avez besoin de plus d'infos, vous venez et on vous explique. Donc, les rapports de situation, vous demandez un rapport textuel. Rapport de situation alpha, vous leur expliquez bien en dispatch juste avant qu'est-ce qu'un rapport de situation. Donc, on vous met, tout se passe bien, on est disponible, on est encore 2, etc. Mais ce qu'il faut savoir dans le rapport de situation, c'est souvent, un peu comme la prise de vacation, recevoir les infos importantes, s'ils sont bien tous au complet, si ils sont disponibles ou quoi. Donc, également, les disponibles, indisponibles, faut bien préciser pendant le dispatch juste avant la centrale que le fait d'être disponible, indisponible est à signaler dans le rapport textuel afin qu'on soit au courant. Pourrait peut-être dire bravo, vous allez à l'appel, alors que bravo est en train de mettre un civil en prison. Donc c'est plus simple comme ça pour éviter de se répéter et avoir des quiproquos. Durant des grosses interventions, vous êtes sûrement un gérant police, étant donné que des fois il n'y a pas forcément beaucoup de gradés, qu'il y a beaucoup de gardiens, etc. Donc c'est à vous de gérer vos unités. Donc avant qu'il y ait un négociateur, vous voyez bien avec le raid ou avec un autre gradé qui fait la négociation, que tant que toutes les barricades sont pas mises, que la zone soit sécurisée, que tout le monde n'a pas un poste, il n'y a aucune négociation qui est entreprise. C'est pour ça que le fait de bien donner des rôles à tout le monde sache ce qu'il faut faire et tout le temps. Donc c'est comme ça que les interventions vont être réussies de façon correcte. Donc tout le monde doit bien être placé à un endroit précis, le périmètre doit être proportionnel également au nombre d'agents. C'est sur le dub par exemple, c'est simple de prendre le parc, prendre toutes les routes à côté alors que vous êtes 3. Donc faut bien faire attention, si vous êtes 15 en policier, faut agrandir le périmètre, faut bien gérer ces unités. Mais alors si vous êtes 3-4 policiers, il y a 2 raids, ça risque d'être compliqué de faire un gros périmètre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Et pas gueuler dans la radio, faites le périmètre, mais plus mettre des messages dans la radio textuelle pour dire tout le monde à son poste, répartissez-vous un peu partout. Mais après, c'est à vous de gérer sur le moment également. Donc la deuxième partie des officiers, donc c'est le fait de montrer l'exemple et avoir un comportement irréprochable. Vous êtes là, vous êtes gradé. Donc si vous faites la merde et vous gueulez partout à rien faire, c'est sûr que ça va pas donner une bonne image de vous aux sous-officiers surtout. Du coup, c'est pour ça que le fait de montrer l'exemple est important. Donc montrer l'exemple, il y a 2 parties. Donc dans la communication, dans la radio textuelle, on évite de mettre des full mages, etc. On utilise un maximum la radio textuelle, on évite de faire des fautes. Après, bon, essayez de faire un maximum d'efforts et un vocabulaire précis. Vous commencez pas à dire
Vous commencez pas à gueuler dans un radio textuel qu'un véhicule fait n'importe quoi alors qu'il y a un vocabulaire précis, il refuse d'obtempérer des fuites. Faut vraiment donner des infos importantes et précises. C'est pour ça que les officiers sont là et que c'est important que vous montriez l'exemple. Également dans la radio vocale, que les infos importantes, c'est un gueuler tout le temps. Dessus, même si vous êtes en centrale, même si c'est le bordel, essayez de privilégier les radios textuelles, parce que sinon plus personne s'entend. Ensuite, on éteint la radio, les raids éteignent leur radio, les bacs changent de canal, tout le monde éteint sa radio et on peut même plus communiquer. Donc c'est si vous, vous respectez ce que vous dites, c'est comme ça que ça va être compris et comme ça que ça va être respecté surtout. Ensuite, des appels rapides et efficaces, bien sûr. On évite de parler tout le temps. Donc on le répète tout le temps, la radio textuelle un maximum, mais faut vraiment le prendre au sérieux. Ne criez pas, restez calme, bien sûr. On va éviter tout débordement dans la radio. Ensuite, on a le respect envers les autres, tout simplement. Vous êtes officier, vous veillez vos supérieurs, ok. Même si c'est vos potes, vous êtes dans la même famille qu'eux, bon bref, ça peut être compréhensible que vous les connaissez bien, même dans le police, mais dans tous les cas, vous voyez. Donc c'est comme ça que le respect de la hiérarchie est respecté. Ensuite, bien sûr, le respect aux nouveaux joueurs. Ça sert à rien de gueuler sur le gardien, parce que après le joueur, il va déco du serveur, il va perdre l'attirance du serveur, et après, il y aura moins de policiers, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut être respectueux, même envers ses supérieurs, comme envers les nouveaux joueurs. Au gardien, même s'il fait n'importe quoi, essayer de rester calme avec lui, ne pas lui crier dessus, pas lui manquer de respect, même si ça vous pousse à bout des fois. Genre, vous êtes officier, il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens qui disent, lui, ouais, c'est un commissaire, du coup, je le respecte. Mais si le commissaire, il commence à gueuler sur tout le monde, manquer de respect avec tout le monde, c'est sûr que l'image du commissaire va vraiment dégrader. Et du coup, pas d'insultes, pas de manque de professionnalisme. Donc, vous commencez pas à faire des plaques dans la radio textuelle, vous commencez pas à polluer la radio vocale comme textuelle, à faire n'importe quoi. Vous voyez ? Donc, c'est une formation qui est très rapide. Je voulais juste vous faire un débrief sur ça. Surtout sur deux points. Donc, la gestion d'unité et le respect et le montrer l'exemple envers les autres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez deux façons de gérer vos unités pour les plus bas gradés, des officiers surtout. Vous pouvez gérer vos unités dans les patrouilles. Ça sert à rien de vouloir faire des gros dispatchs. Pour les autres, les commandants commissaires, essayez de faire des dispatchs bien construits avec un bon plan et savoir bien gérer vos unités, faire des bonnes construits également pour montrer l'attirance, etc. Mais bon, passez pas 3 ans à faire votre salle non plus. Mais genre, faut que ce soit bien organisé. Et ensuite, montrer l'exemple dans le textuel et vocal pour montrer que vous êtes gradé, il faut vous respecter. Et si vous faites n'importe quoi, on n'aura plus aucune bonne image des gradés. Donc, je vais vous passer un petit forms qui, ce sera un petit questionnaire pour voir si vous avez bien écouté et si vous êtes au point. Ok. Et pour les meilleurs, il y aura peut-être des petites récompenses. Du coup, je vous donne ça. Je vous envoie un MP, du coup. Oui, Patrick. Ouais. Après, je pourrais te parler 2 secondes en IA. En IA, moi, en bureau. Si tu veux. Arsène. Arsène. C'est moi. Il est où le PDF? Juste là, moi. Oh, Max, j'ai une blague. Regarde. T'es là, Paul? 6-9, Patrick. Oh, elle pas mal. T'as vu? Pas mal. Cloufs, je vous envoie les réponses que Pingu m'a envoyé. Ok, vas-y, gros. Il me l'a envoyé aussi. Hein. Ah, t'inquiète pas, mec. On n'a pas une poucave dans les managers, nous. Patrick, frère, Paul, il va se faire tacler après à cause de nous parce qu'on dit de la merde. Première question, nom et prénom. Merde, j'ai pas étudié. Fais chier. Ça, ouais, tu vas faire la blague à chaque formation, gros. Je te jure, t'es trop déterré. Ah, c'est vrai. Ah, je te jure, c'est le pire. Chaque formation, il nous fait le coup. Bon, je termine vite mon convoi, puis je réponds. Monsieur Patrick, si on n'a pas fini, on pourra le rock demain. Non, finis-le aujourd'hui. Ah, genre.
Prenez le temps. Si Patrick, grade, c'est notre grade à nous, on est d'accord? Non, non, c'est mon grade à moi. Ah oui, c'est mon grade de police. C'est marrant, hein. Patrick, je trouve pas le grade gardien dans le Formule 1, désolé. Casser la tête. Parce que ça me dit grade, mais vu que je suis capitaine bac et commissaire police, je mets quoi? Mais non, mais attends, faut faire quoi là? Mets ton grade. Bah, tu remplis le questionnaire en suivant ce qu'on a dit à la forme, du coup. Ah, oh, trop bien ça, Zombie. Mais je le ferai après. Je vais dire une dinguerie. Oh mon. Ah, santé. J'ai un problème. Vas-y. Mais je peux pas cliquer sur comme pour marquer votre prénom ou Discord ou autre. Je peux rien. Je peux pas marquer de texte. Je peux rien marquer. Je peux rien cocher. Je peux rien faire. Bah, vous y arrivez les autres? Ah ouais, c'est bon, c'est good. Ouais, j'arrive. Très bien. Je page 3. Bon. Referme la page et relance là. Je sais pas. Ah oui, t'as passé une heure et demie à faire le formulaire. C'est pas moi qui l'ai fait. Fou. Bah, vu les fautes d'orthographe, je dirais que c'est Pingu. Moi je dirais que c'est Baptiste. Ah, c'est tous faux. C'est Bilal. Non, c'est Dylan. Putain. Alors, c'est vrai que il y avait les phrases, c'est vrai que on a dit tout le staff sur le bon genre. C'est... Par contre, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il y a, Tony? Ouais, je peux écrire. Pas nouveau. Attends, mais ça veut... Comment ça? Écrivez votre prix de service, quel type de message est demandé dans la radio textuelle? Ça marche pas. C'est quoi le rapport? Enfin, j'ai pas... votre prix de service, bah, tu marques ta prise de service, quel type de message, quels sont les messages qui est demandé dans la radio textuelle, genre? Quelle est la fonction des messages, tu vois? Termine vite mon convoi, puis je réponds à ça. Ça sert à parler. Mais quel type de message tu mets dedans, genre? Pas des informations. Ah frère, lui il aime bien retourner le cerveau aux gens. Il le spam à chaque fois dans du texte. Bah on arrête pas de le spam, ouais, tout le temps, même Pingu a des pins et tout. J'ai envie de les insulter ceux qui font ça, je m'en calme vraiment. Ok, insulte-moi mec. T'as un mec qui parle à la radio et t'as un gros con, il appuie sur sa touche pour... Romain. Ça veut vraiment dire, ferme ta gueule, ça veut vraiment dire. Il a mis un bind avec un autoclic gros, c'est mitraille gros. Oh oui, ça s'envole. Hein. Bon, est-ce que Tony attend dans la question gens, c'est quelle question que tu prends? Ah oui. Attends. Genre, quand tu prends ta prise de service, tu la marques dans la radio textuelle et après tu fais quoi? J'ai pas compris la question 6. Non mais je veux dire, je suis d'accord, mais il est mis quelque chose à faire lors de votre prise de service, entre parenthèses, sauf votre prise de service. Mais laquelle alors? Mais ça, on va pas dire la réponse. En gros, t'as vu hein. C'est en gros, tu vois, t'es radio, tu dis je prends service et après tu dis des trucs, t'as vu? Et là, faut que tu dises ce que tu demandes. Voilà. Ça, je me lève la main. Ah j'ai pas compris la question 6, monsieur. Attends, 6. Comment est la meilleure? Oh là là. Des façons de gérer vos unités en tant que... Bah, en tant que lieutenant-capitaine, que je vous l'ai dit, genre, ça sert à rien de faire des gros trucs. Voilà. Et plutôt... Gérer vos unités d'une autre façon que pendant des dispatchs et centrales, par exemple. Il y a une autre façon. On va mettre, comme je mets en contrôle, genre, je sais pas, Pikachu. Pikachu. On peut avoir des points en moins si on met de la merde. Merci, Bébou. Attends, tu es en train de me dire que quelqu'un t'a donné la réponse. Oh, et voilà, ça triche. Je savais. Monsieur. Patrick, écoute, attends, j'ai une question. Patrick, il est marqué où dans le document qu'on n'a pas le droit? Ah, mais moi je m'en fous. Là, ça fait la donne. Hein. Je veux savoir c'est qui le gros connard qui triche. Qui donne les réponses? Moi je triche pas, je suis juste plus intelligent.
Non, on doute pas plus. Non, on doute pas, on doute pas. Vous pouvez pas tricher. Mais... De toute façon, personne n'a de preuve. J'ai rien à reprocher. Lui, ça se voit qu'il triche, lui. Il n'y en a aucun d'entre vous qui est là où il y a les réponses. Il y en a aucun qui peut tricher. Ouais, après, on peut trouver les réponses et les envoyer aux autres. Mais bon. Alors moi je veux bien les gars. Max, regarde tes messages, tu vas voir. Là je prends un screen et t'es mort. Quel screen? Allô? Mais non, mais regarde. Si je t'envoie ça. Bah quoi, tu m'envoies quoi? Regarde. Il m'envoie aucun message en rapport avec la formation, je tiens juste à préciser. Non, c'est hyper suspect quand j'ai pris un screen de notre conversation. Attends, tu l'envoies à qui? À toi. Mais quoi, mais rien en chat. Mais regarde. Je sais pas. Déjà, je vois que t'as buteur Discord et que tu peux te faire ban, mais après, tu veux jouer à ça, on peut jouer. Hein. Depuis quand buteur Discord, c'est interdit? C'est Discord bannisseur, ils aiment pas. Oui, mais Discord le bannit. Oui, mais si Discord voit que t'as better Discord, il te banne. C'est quoi le better? Ah, la sauce. C'est quoi le... En gros, c'est pour voir des channels secrets. Alors, je vois tous les channels. Moi, et... gros, moi je l'ai aussi, mais bon. En gros, t'as accès à plein de choses que tu devrais pas avoir accès. Et après, t'en as un autre où tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces channels. Et après, t'as d'autres pour tuer les gens, genre de façon très facile. Genre, tu lèves la tête, paf, il meurt. Patrick, tu vois duquel je parle? Oui. Non, mais là, c'est pour voir. Ah, j'ai envie de te troll, mec, dans le questionnaire. En faisant, en fraisant. J'ai envie de troll dans le questionnaire. Les... Ouais, mais bon, c'était fait. N'oubliez pas qu'il y a un boost de saturation à la clé. Ça, je dis rien. 10 heures, ouais. Non, j'ai pas. 15 heures. De toute façon, on sait tous que c'est... On vient tous pour ça, donc arrêtez. On s'en fout du RP, on veut des heures. Donc arrêtez de faire les mecs, s'il vous plaît, merci. Putain, c'est un génie, ces mecs. Mais comment ça... Comment pouvez-vous montrer un exemple dans la radio textuelle? Ah, comment... Ouais, putain, je peux lire non plus, en fait. Et on est commissaire commandant et on sait même pas lire, et voilà. Je sais pas, je fais la même, donc je m'en fous. Commissaire commandant parce que c'est que des heures. Patrick ? Mmh. Je comprends pas la question numéro 11 et 12. Alors, on peut montrer l'exemple de la radio textuelle. Bah, comment tu peux... tout simplement, je sais pas comment... Genre... l'exemple de ce que je mets dans la radio? Non, mais genre, quel est... comment tu vas formuler tes messages, par exemple? Comment tu vas... Ah, ok. Attends. Merci. C'est qui va corriger? Parce que les fautes d'orthographe, mon pote. Frérot, Ça arrive dans la vie des fautes, tu sais. Oui, parce qu'on nous dit faites pas de fautes dans la radio textuelle, mais là on en fait plein dans la faute. Des fautes. Reste à votre place, ok. Notre statut. Et gros, et les trucs où je mets pas de réponse, mec, je vais mettre des réponses random. Hein. Putain, random, donc on s'attendait à des réponses random de ta part. Hein. Déjà, gros, j'écris Pikachu sur la question. Ouais, je sais pas. C'est quoi la question 6? C'est comment la meilleure façon de gérer des unités en lieutenant capitaine? Pourquoi t'as mis Pikachu? J'ai pas eu paniqué. Toi, je m'envoie un MP à Pingu pour qu'il m'envoie les réponses. Ah merde, j'avais mon micro allumé, merde. Excusez-moi. Patrick, on se connaît, tu sais. Allez. Un petit virement et on verra après. Salut. Ah merde, moi je reviens. Vas-y, je t'envoie le truc dans... Enfin, je confirme le truc dans 10 minutes. Micro allumé. Trop bien. Ouais. Faut que je le cut et c'est bon. Et du coup, alors, c'est bien l'information? C'était en vocal, ouais.
Et du coup, c'était comment? C'était bien. C'était bien, c'était bien. Je viens tout juste de finir de remplir le formulaire. Enfin, le questionnaire plutôt. Et du coup, ça. Ils t'ont appris quoi? Pour être honnête, pas grand chose. Si à part que. Si à part les prises de vacations. Prises de vacations? Ouais, à chaque fois. Les... Genre quand tu pars en patrouille. À chaque fois, les mecs, quand ils disaient prises de vacations à la radio, j'ai corrigé, je dis non, non, vocation. Parce que je croyais qu'ils venaient tout juste de prendre leur service. Mais en fait. Juste Et vacation, ça veut dire? Vacation, c'est-à-dire que tu pars en patrouille. C'est éclaté au sol, quoi. C'est éclaté. C'est éclaté. C'est bien ça? C'est ça. Salut, Nara. Ok. Vraiment pris juste un mot. En fait, mec, tu vas dans le dictionnaire, ça va plus vite. Hein. T'as appris un mot en une heure et demie, quoi. Pour rien. Incroyable. Ah, une heure et demie, ça dure? Mais non, pas du tout. Non, mais c'est un exemple. Enfin, un exemple, non. Mais. Putain, je sais pas. Moi, par contre, la dernière fois, ça a vraiment pris une heure et demie. Hein. J'en sens beaucoup. Une partie, non, non, c'est juste mon mais j'en sens beaucoup. C'est des lambda ou pas des lambda? Ouais, mais je sais pas, moi j'aime bien, je sais pas bon. Dis-toi, je te fais prendre en otage où? J'arrive, mon bébé. Là, ben, au quartier, je parlais personne. En fin, on devait les rejoindre, mais ils nous ont trahis. Oh là là, les bâtards. Vraiment? Mais là, ils sont à l'extérieur ou à l'intérieur, là? Ils sont dans leur maison. Bon, ouais, ils sont dedans. Ça veut dire quoi, ça? Player Shop, c'est quoi ça? C'est, la... Shop, bah, c'est le skin, le vendeur de skin. Player Shop, c'est le joueur shop, c'est le vendeur bah de le vendeur de player, donc ça doit être sûrement des skins, vendeur de skins. Là t'as World Cup. Ah c'est juste ici. Bizarre. Je vais voir. Mais non, t'es pris en otage. Dis-moi, le boss il s'est fait prendre en otage. Donc là t'as la première maison du quartier riche, on est bien d'accord. Après la première maison du quartier riche. Mais non. Mais non, t'es pris en otage dans la première maison du quartier riche, dis-toi. Mais non. Mais elle a dit qu'on allait les rejoindre. Les bâtards, ils t'ont baisé. Oh là mais là. Il a dit qu'on allait les rejoindre. Ils t'ont braqué quoi? Dans l'extérieur ou à l'intérieur? Ils t'ont braqué à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison? Ils t'ont braqué à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison? Ils t'ont braqué où? Ta gueule! Pouf, tu m'énerves. Putain. Ton braqué à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, dis-toi. Je te biffe. Parce que si braqué à l'extérieur, voilà. Je peux savoir. Hop les. HRP écrit. Hier j'ai tué un flic, il avait full arme sur lui XD. Ben, c'est logique. Mais il est con quoi. Mais il a méta. Il a pas à savoir que j'ai mon badge. Il va pas savoir que j'ai mon badge. C'est vous qu'on voit la weed. Alors lui, il vient de... C'est toi avec ton... Jen, avec ton Jeep, là. Jen, pourquoi t'as plus ta photo de profil? Midi, tu vas me servir de cobaye. Je l'ai changé oui. Pour ça. Vas-y. Tu vas me servir de cobaye, va te faire prendre otage. Et on lance la prise d'otage et moi je le fais et je te fais reculer. Ok, ce que tu vas faire, si tu vas faire la pas. Sauf que moi je vais t'à côté. Et... Ah oui, il y a des hommes armés. Ah, effectivement. Ah, ok, il y a des hommes armés, oui. Ouais. Hommes armés, première maison du quartier. Alors là, ça part. Je déteste ce quartier, monsieur.
c'est bon. Un bureau, toi. Je vais reprendre ma salle. Ouais. Moi, bon, j'ai beaucoup de bureaux, tu vois. Ouais, je suis bleu. Les gars, j'ai un schtroumpf. Aidez-moi. J'ai un schtroumpf. Merci. Mettez votre badge, monsieur. En fait, il reste une unité au niveau. J'ai déjà mis le badge. Non, tu l'as pas mis. Merde. Ah, là, t'es bloqué. Ah, ah, là, arrêtez, mais. Une prise d'otage, je suis riche. Moi, je suis un sniper. Je vais dire à Paul. Que je conduise ou... Commandant, juste, je peux vous poser une question? Oui, justement, je sais pas où c'est, puisque je suis nouveau dans cette ville. Ta radio, s'il te plaît. Ouvrez les deux doges qui sont devant la... Bonjour monsieur. Bonjour. Serait-il possible d'avoir à manger? Ouais, bien sûr. Et je vous fais ça tout de suite. Ok. Hop, voilà. Oh la merde. Voilà une margarita pour monsieur. Merci. Au revoir. En face de l'entrée, les gars. Voilà, merci. Madame, vous êtes charmante. D'accord. Madame, vous êtes... Vous avez un truc sur vous? Vous pouvez me l'enlever, s'il vous plaît? Ok, bon voilà, mon gars, je suis positionné. Je sais pas comment on fait. Paul, il fait... Oh, attention! Moi, je mets des têtes. Voilà. C'est bon. Reste là. Ouais. Du coup, c'est bon, là? Est-ce qu'il y a des interventions? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux venir sur intervention? Il y a une prise d'otage quartier riche. C'est quoi ta bannière? Attends. C'est quoi ta bannière? Ta nouvelle bannière? Profil. Tu regarderas tout à l'heure. Ah! T'as mis les forces spéciales. Yeah.
Mais du coup maintenant je vais jouer. Vas-y, 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 on fait faire un deuxième buisson, viens dans un. Oh non, ils vont dégrade. Bah il peut pas être dégrade en fait, il est déjà. Mais dans tous les cas, je suis déjà gardien, tu veux que je descends où? Tu veux que je descends quoi? Bah c'est pas ma faute ça. Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi. Ah bah... Pepe. Ok, je vais parler. Le gardien, 5, 3, 4 de RFB, ils ont deux becs en otage. Sinon tu demandes ils ont deux becs en otage. Tu vas te faire virer de la police, tout simple. Bien. Oh, je pourrais tellement lui mettre une tête au mec. Est-ce que vous avez des questions? Ils veulent 15 000 euros pour les deux becs. 15 000 euros, 15 000 euros pour les deux. Non, et là il s'est cassé et puis voilà. Dans une maison 35 p. Si vous avez des questions quelconques. Négatif. D'accord. D'accord. Capitaine, vous pouvez me dire à ce quand vous voulez, d'accord. D'accord. J'ai un agent du raid, c'est ça? Tranquille, tranquille. Oui, moi je suis dans une maison, je suis en 35. Attends, quoi? Par contre, quoi? Quoi? J'ai pas entendu, il y en a un qui a dit qu'il s'est fait prendre l'otage là? Mais. J'ai pas compris là, je crois que j'ai mal compris. Je crois que j'ai pas bien compris. Vous parlez pas fort. Attends, dis en tout. Viens, oh là là. Alonso est vite devant moi tout de suite. Oui, chef, chef, oui, chef. Il y a un snipe. Tu m'as entendu dans la radio quand j'ai gueulé? J'ai fait ouais, mais casse-toi, tu vas cramer ma cachette. Attends, il m'a dit quoi? Alors, tu m'as dit quoi, Paul? T'es dans la maison d'en face? Oui, à la fenêtre. Tout le moment, il est donc Vito Expert Garage. Chaque mouvement dans le garage, tu me les spec. Tu me dis, à tout mouvement dans le garage, tu me dis, tu assopes sur les garages, d'accord? Ok, ouais, ok. Tu assopes dans les garages. Toi, tu rentres au commissariat, t'es puni. Alonso, tu seras expert, principal, hein. Tu seras l'entrée principale. Donc en gros, quand on va lancer l'assaut, moi je vais devant, je vais lancer devant. Tu vas être dans l'entrée principale, Vito il va être dans le garage. Voilà. D'accord. Et il y a aussi. Okay. Et c'est quand on lance l'assaut alors midi. On lance l'assaut dans... quand ils relâcheront les. Et du coup, t'as gagné des heures ou pas? Là, je dois pour l'instant. Je sais pas. Donner. Je sais pas du tout. En fait, ils ont dit ceux qui vont bien faire leur. Bah, tu te mets. Donc, t'as intérêt à parler plus loin, bien de moi au manager, tu sais, genre. Quelques grammes. Tiens, voilà, 8 euros. 8 euros. 8 euros, wow, putain. Ah, tous ceux qui ont de l'argent, vous venez m'en donner, s'il vous plaît. Non, je déconne, tiens, voilà, j'ai 0 euros. Il m'en faut 15 000. Il m'en faut 15 000. Si vous avez pas assez, vous allez me chercher. Marco, tu vas me chercher 10 000 euros. Ok. Marco, tu vas me chercher 10 000 euros. Ça, c'est pour Pauline. Alors. Est-ce qu'il y en a un autre qui a de l'argent? Là, j'ai 3200. C'est bon, je ramène 12 000, je ramène. Ok, ramène 12 000, ramène 12 000. Évite de pointer, s'il te plaît, Alonso, évite de pointer. Tac, tac, tac. Marco, je te laisse gérer tes unités. Moi, j'ai mes unités déjà... Déjà... Qu'est-ce qui revient, Pauline? Allez, Pauline! Sur G-Mod? Ouais. T'as réussi à. Je sais pas, parce que. Peut-être dimanche soir, parce qu'elle est chez sa daronne. Je te le dis, tu vas prendre très cher. Aujourd'hui, on est dimanche. Tu vas prendre très cher. Oui. Crois-moi, tu vas te virer de la police. Il a dit 18 heures tout à l'heure, mais. Pas ça. Si. Ah, bah, bien sûr que. Il a fait quoi, là? Je suis de la faute de l'autre! Crois-le que tu vas te virer. Ok. C'est moi qui vais le virer. Je te jure que tu vas prendre. On va libérer les deux otages là. Il a fait quoi?
Bah, je sais pas, mais en gros, je crois qu'il a compromis la vie des otages. Oh, rien, y en a un qui... Bon, on lance l'assaut, ils ont plus d'otages, on y va. C'est parti, on lance l'assaut, ils ont plus d'otages. Je suis pas armé. Merde. Pas armé. Bah, reste en retrait. Attendez, je suis un sniper, attendez. Il nous faudra un raid qui est bélier. Ah, oui, voilà. Il y a l'un des voisins qui s'appelle Darouille. Reculez. Je sais pas qu'on bloque, mais un peu quand même. Là, faut. C'est qui sonne là. Faites gaffe, ils sont lourdement armés et. Comment dire. Il y en a. Regarde. Dans le garage. Je vais te la balancer là-bas. Ok, je viens de prendre une balle d'un. Ça, c'est bien. Écartez-vous de la maison, écartez-vous. Abattu. Bien joué. Putain. Ah bah il est mort. Bah je voulais lancer une attaque. Ça va Vito? Ouais gros, il y avait un gars là, tu l'avais pas vu, je l'ai explosé. Ah putain, j'ai pris deux balles dans le gilet. Oh là là, ils sont éclatés au sol vraiment. Dans le sous-sol, y'a pas de sous-sol ici. Fais gaffe. Mais y'a pas de sous-sol. Mais c'est énervant, ils vont confisquer mon arme, je vais prendre la fin de sa vie pour y récupérer, c'est énervant. Je viens de croire. Reculez, il y a sûrement des mecs, attention. Comptez-moi le nombre de braqueurs, on devait faire le braqueau avec eux. Il y a 5 braqueurs, si on manque, ils sont dans le grenier. Donc vous me dire, combien de braqueurs morts? Je crois qu'il y en a 2 morts. Yep, tu recules. Yep, tu fais attention, ils sont encore en dessous. Alors, attends Paul, je te dis, il y a un braqueur mort. Ah, ils sont en bas. Ouais, ils sont tout en bas, ils sont dans le grenier. Vas-y. Il y en a un qui va me chercher du C4. Tu vas aller me chercher. Va chercher du C4. Je crois qu'il y a 2 braqueurs morts là. Oh ouais, donc il en reste 3. Ok, fais gaffe. C'est ça. Défonce ça là. Oui, mais il y a un C4 qui arrive dessous. Mais je vais balancer une HE, c'est pour ça. Attends. Bouge. Je vais lancer. Vas-y. Écartez-vous, par contre, tout le monde s'écarte. Ok. Putain. Bravo. Je l'ai fait. Non, laisse tomber. J'ai entendu. Ok, vous attendez avant de. En fait, c'est en descente, je crois. Mais sur le haut, tu peux pas. Mais même si tu te mets comme. Non, tu pourras pas. T'as raison. Ça touche. Fais gaffe, il décale à la marocaine. Je vais reprendre mon sniper. Marco, il décale à la marocaine, le ref. Le ref, il recule à la marocaine. Tu vas t'en back, toi. Bah oui. J'arrive, j'ai mon RFB. Oh là. T'inquiète, Mehdi, après, je vais prendre mon service en raid. Ah non. Fais gaffe. Touché. Nice. Recule. Par contre, il est où là? Il est où? Et la vie de moi, on rush pas. Hein. Personne ne rush, c'est eux qui rush. Personne ne rush, c'est eux qui rush. Ils auront plus de trucs au bout d'un moment. Décalé, allez, j'ai le C4, j'ai le C4. Pardon. Attends. Brassard. Vas-y, attention, C4, recule, Mehdi, C4, recule. Mehdi, C4, recule. Attention, commissaire. Ouais. Je te laisse la ligne GE en fait. Non, t'inquiète. Boum, pas boum. Mais pourquoi ils rentrent tous, mais. Oh, ça va être un carnage. Top! Allez, bravo tous, intervention terminée. Comment ça se fait, les brigadiers sont dans la baraque, la bordel? C'est pas normal ça. Tous les otages ont été sauvés, on a perdu quelques unités de police, mais vu le nombre qu'ils étaient, bravo tous. Est-ce que j'ai fait un kill? Est-ce que j'en ai buté un ou pas moi? Peut-être le mec est balle de GE. Oh oui, j'en ai tué un. Ouais, je crois. T'as tué le mec avec la balle de GE là. Mmh.
Y'a encore de la place en vrai, tu crois ou pas? Je sais pas. Mais perso j'ai raté à moitié de l'inter. Tu vois le mec où j'ai tiré ma balle de GAE? Mais perso j'ai raté à moitié de l'inter quand j'avais pas. Bah je crois que je l'ai débuté. Bon allez hop. Retour au Comico, je vais prendre ma fin de service pour récupérer mon shield. Titan, tu veux aller sur CS avec un de mes potes? Je sais pas. Tu veux jouer à CS un peu là? Libéré. Hein. Et tu m'as dit, Titan, si je te libérais, tu mettais un rapport positif. Hein. Tu dois le mettre. Hein. Yes. Tu dois le mettre. Agent du mairie de Paul Wall Street. Libère toutes les unités à chaque fois, à chaque braquage de banque, et puis voilà. Libère toutes les unités, voilà. Non mais tu me l'as dit que tu me mettais un positif, donc que je l'attends là, je l'attends. Tu le mets ou je te fume. Tu le mets ou je te fume, là je peux te fumer. Ça t'a changé un modo, sinon je t'aurais déjà fumé. Mais tu veux des 4 sur 16 ou pas, dis-toi. Je sais pas, moi j'ai bien envie de rester. Albin, tu viens me chercher Comico? Ben, je vais faire une petite pause, hein. Je vais aller sur 16 un peu. Je prends mes équipements. Mais il va y avoir Tyson qui va venir en back. En fait, tu vois, j'ai bien envie de jouer avec Tyson un peu en back. Ok. Ah, j'ai des trucs, Trust Community. Quoi. Ah, c'est un info. Mais si tu veux, mercredi ou le week-end prochain, je jouerai bien. Attends ton truc. Mais toi, tu commences à mettre beaucoup de rapports négatifs. Quoi, moi? Je commence à mettre des rapports négatifs, ouais, ils me cassent les couilles. Les mecs qui me cassent les couilles, je leur mets un rapport négatif, clairement. Moi, tu sais que j'ai jamais... Mais tu sais que moi j'ai jamais mis un rapport négatif, jamais. Soit positif ou négatif, jamais. Je dois le remettre, hein. Tu dois commencer à en mettre. Salut Teddy, pour un pot, t'es mute. Pour un pot, Teddy, est-ce que tu veux jouer avec moi? Tu voudrais jouer avec moi? Attendez-moi, regardez-moi. Maintenant, il est même pas un mute. Moi je mets ouais. Ok, moi je vais faire pareil. Mon petit GAE là. Ah là là. Sur le banc c'est moi quoi. Moi je vais mettre ça. Petite décale là. Paf. Mec, est-ce que ça avait passé devant moi? J'ai eu trop. Non mais enfin en ce moment moi je suis moins de kills. Moi j'ai plus de kills les RB que GAE, c'est car en vrai en backo. On va en bas quand on combat. Vas-y, très on boule. Bon, on boule, viens avec moi. On combat très bien. Au gawage, viens au gawage. Je reviens. Putain, j'avais déjà sorti ma voiture, baby. Je vais faire un truc. Attends, je vais faire un truc. Merde, vous écoutez trop loin. J'ai peur de ce que tu vas faire. Moi non. José, est-ce que je pourrais te voir au niveau de la prison, s'il te plaît, t'as un... Paf. Oh, magnifique. Il est magnifique. Oh, j'ai un refaire, j'ai fait une dans un raid. Fin de service du commissaire Turner du Sud. Full black. Oh, pas mal ça. Ça, c'est pas cool. Ou en rouge. Je pourrais voir des prisons, s'il te plaît, t'as. Je sais pas si c'est bien full black ou... C'est bien full black? Ouais, full black j'aime bien. Ok, bon bah allez hop. Attends, je monte devant. Merci. Faut que j'aille prendre de la vie. Prends la radio toi. Attends, faut que j'allume moi déjà. Attends, ma radio elle est bien ou pas? Attends, je crois que je l'ai mise. Toutes les unités ou World Cup. World Cup. Bon, attends, déjà je. Si mes Giro vient bien se mettre, merci. Faut que j'aille chercher de la vie. Faut que j'aille bouffer. Pierre est égal à moi qui va sur toi. Oh, j'ai chevrolé là, je ne plus trop. Non, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. La Jeep elle est mieux.
Bah skip, on peut prendre des kayaks. Et hier, avec un DSA, on était full. Avec qui comme DSA? Hugo Shelby, voilà. Tu le vois? D'ailleurs, et on est deux kayaks remplis de raids. Hein. Mais tu vois que comment c'est quand moi je le connais, sauf qu'en fait je le vois tout. Sauf qu'en fait je le vois plus. Alvin, toi t'as joué longtemps oui. Après que je me sois découvert hier ou pas? Je sais pas. Moi je vais me positionner sur un toit, vas-y va en bas. J'ai vu un homme armé World Cup. Ok, j'arrive. Niska, je me positionne sur un toit et un raid va aller en terrestre. En terrestre. S'il est armé et qu'il est menaçant, vous avez ordre de tir. T'as ton badge. Vous tentez de négocier. Ok. Bah c'est Joe. C'est le négociateur. Ok, déjà y'a un mec. Tentez de négocier pour qu'il se rende. Attends, j'ai activé ma radio. Ok, bah je vais y aller. World Cup, alors je vais vous faire un top. Donc. Police, ouvrez la porte. Si tu les appelles plusieurs fois, pas si quoi, pas, pas. 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 Quoi, on va encore. Il y a des gens armés, ça a tiré. Bon, allez, appelle-les encore 2-3 fois et s'ils répondent pas, moi je vois. Messieurs, police, ouvrez la porte, on est là pour négocier. Mets ton badge, s'il te plaît. Mets ton brassard. Oh putain. Ouais. Allez, hop, ouais. C'est bon. T'es trop bon, moi. Attendez, reculez. Ah ouais, vas-y, je vais faire plaisir. Encore ? Mathis, recule. Vous me recevez ? Oh là, go. Oh, mais ils abusent. Les policiers, vous reculez là, les policiers, vous reculez, laissez passer les raids dehors. Tu m'entends dans la radio ? Non, je t'entends pas radio là. Que passer les raids. On va pas ça. Allo, vous m'entendez ? Ah. Ouais, on t'entend. Ouais, on Ah si, on t'entend. Alors je vais faire un petit topo. Il y a j'ai vu qu'une personne à leur couple et elle est non armée. Elle est chauve avec un béret tête et t-shirt manche longue sur le final. Alors moi j'ai vu tout en haut de la leur couple une fille roux à peu près rousse tout en haut et j'essaie de voir si elle était armée. Dernier étage tout en haut. Dernier étage, je ne vois pas d'action en cours. Ok, tous les raids montez au-dessus et les autres vous occupez des autres étages. Tous les raids vous montez tout au-dessus et toute autre unité vous occupez des autres étages. Merci. Pardon. Est-ce que tu m'as dit. Est-ce... On peut intervenir à la Warcorp, enfin à l'étage. De quoi qu'est-ce qu'il y a Négatif, laissez faire le raid et quand de monter, vous montez, d'accord. Ok, personne, bah, ok, bah, c'est votre choix, même si c'est que le temps. Dans le passage, ok, dans le passage. Non, y'a rien, vous sortez. Y'a rien. Bah, par contre, y'a un policier qui est monté en haut. Ok, bah, c'est rien, bah, laisse tomber, on remballe. Vous sortez, y'a rien. Pourquoi y'a un policier qui est monté tout en haut de la World Cup et qui a cassé une vitre? Le lieutenant, il est sur l'heure. Il y avait des gens et ils sont pleins d'heures. Et est-ce qu'il y a vraiment des gens là ou c'est terminé? Oui, non, mais c'est parce qu'ils ont dû se barrer quelque part. Hein. C'est. Il y a peut-être une deuxième sortie, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave. 10-4. On les aura une prochaine fois. 10-4. Ok, je. Tout le monde ressent, c'est terminé. Jason, t'as pris mon camion, putain? Bah il était là mon camion. Ah je jure que voilà une lumière derrière. Ça je peux pas. Bah. Mais il était là mon Chevrolet. Oh non mais pas quelqu'un là. Regardez s'il y a des personnes aux étages. 10-4 je vais faire ça. Pourquoi t'as disparu devant mes yeux? J'ai pas disparu devant tes yeux, mon camion a disparu devant mes yeux.
Oui aussi. Bonjour. Bonjour. C'est bizarre, très étrange. Qu'est-ce que vous voulez? Du coup, bah, je vais vérifier. Amarmé. Pardon. Discutre. C'est la personne Angela Bas Blanche. D'accord. Et vous gagnez bien votre Baris. Pas vraiment. Non. Désolé, j'ai une information. Dis-toi, tu peux faire un partage d'écran. Ok, alors y'a plus personne en cop, j'ai visé le sniper, ils sont en haut, oui, ils sont. Y'a un mec quoi, y'a un mec M16, y'a un mec M16 en haut de la World Cup. C'est bon, avec un verrou. Ils m'ont saoulé, je remonte. Kaziak vert armé. Mais Kaziak, il était en direction tunnel avec le parking. Y'a tout. Carmé, c'est ça. Affirmative, armé d'une M16 qui a un B. Rigole. Monsieur l'officier, je suis navré de vous déranger. Où se trouve le pôle emploi, s'il vous plaît? Je sais que vous êtes en pleine mission, donc je vais essayer de faire vite. Juste à côté de la mairie. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, au revoir. Au sniper, je vois personne au dernier étage. Y a-t-il des interventions en cours? Putain, ça casse les couilles. Y'a un inter à l'avant? Non, mais à World Cup, y'a plus personne, donc je sais pas, par mais. Y a-t-il une intervention en cours? Personne en haut de la World Corp, t'es sûr de toi? Actuellement, on est dans la World Corp. On cherche un homme armé qui est potentiellement caché dedans, besoin de renfort s'il vous plaît. Armé d'une M16. Ok, on l'a clairement vu à la fenêtre, donc vous me retournez toute la World Corp, vous faites ce que vous voulez, mais vous me le trouvez là, je vais maintenant du retourner tous les coins de la World Corp, vous cherchez partout. 10-4, allez, on se manipule là. Tout le monde, tout le monde part de la World Corp. J'attends dedans, je veux voir s'il y a quelqu'un qui sort ou pas. S'il y a quelqu'un qui apparaît aux fenêtres ou pas. Tout le monde sort. Non, c'est au même si on l'a vu, quoi. J'ai clairement vu, il était à la fenêtre, donc il est encore dedans. Sortez, on fait genre, on se capte. Il y a un. Quel étage tu l'avais vu? Non, mais sortez, on vous demande. Sortez et décarpissez du dehors. On mettait bon. Il était dernier étage, du coup je reste à la salle de réunion, au dernier étage, de voir s'il y a quelqu'un qui se met aux fenêtres ou pas. Moi mec, je suis sur les toits, d'accord. Je veux plus aucun policier qui soit devant la World Corp. Ah, Albin. Quoi? On est d'accord, techniquement. Genre, je suis en haut et je suis en train de tirer. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? Genre, imaginons le mec qui se repointe en haut de la tour de leur corps avec sa M16. Je vais tirer à vue, on est d'accord? Non. Bah, bite. Bah, non, parce que s'il a, il t'a pas tiré dessus, non. Ouais, bah, s'il tire, je lui fume sa mère. S'il tire sur les collègues ou s'il tire, tout simplement, et bah, tu te butes. Ouais. Alors, et t'es où, toi? Je suis sur un toit. Pour l'instant, y'a personne. Je vois personne aux fenêtres. Y'a des toits? Bah, je suis là. Sur la banque? Ouais. Ok. Y'a un mec aux fenêtres, y'a un mec à la fenêtre, côté de la bibliothèque. Il vient de péter la vitre. Il vient surtout de me tirer dessus, ouais. Bah, si t'as tiré dessus, tu le butes. Je reste en position et voyez si il est en position. Il essaie de me tirer dessus, je suis sur les toits et je suis un rêve. Donc, ouais, je suis un rêve de fumée. Bon, du coup, ça se passe comment là? Il se passe quoi? Le raid qui est à l'intérieur, tu fais quoi? Il vient de tirer. Il vient de tirer. Il fait quoi? On est.
courant par là. Mais en fait, on va le neutraliser, tout simplement. On va le neutraliser, c'est un danger. On dit on sort, on sort, les gars, faut s'organiser là. S'il se remonte trop vite, vous tirez, hein. Autorisation de monter ou pas? Ouais, la fuite est lancée, il y a 10 minutes à la fin, je pense que font les autres snipers d'or. En fait, je vais vous expliquer, en fait, il y a un passage secret à côté, derrière, et ils se logent dedans. Et ils sont en train de faire de la merde. Ok. Ok, voilà. Bon, c'est fini. C'est bon, Warcraft fini. 4. T'es où, Faites gaffe, il y a un braquage devant. Je suis Léouane. Y'a Léo. Sur et certain, y'a plein de Kadia. Ok. Non, non, pas forcément qu'à demain qui vont faire un PO. Ok. Billy, t'es où? Moi, c'est bonne question, je suis en haut. En haut? Ouais, en haut de la banque. Ok. Bah, je suis en bas, je t'attends. C'est fini. J'essaie de mettre un grappin. Ah, ok, d'accord. Putain, Noah, tu m'as fait plus la tête, Noah. T'as vu, est-ce que mon grappin il est tout en bas? Oui, il est tout en bas. Bon, bah, moi je suis arrivé par derrière et puis je l'ai fumé le mec. Mec, juste pour te faire chier, j'ai envie de monter au grappin. Mais t'es trop con! Ah bah là! Ah bah alors là. Tu vas bien, Mehdi? Mehdi, tu m'entends? Tu vas bien? Ah bah là, je crois que... Ah, 2-1-2! Ah oui, mais... Le train, en fait, s'il est éclaté par terre, hein, on va pas pouvoir... Ah chouler. Oui, je crois que là, je vois même plus la tête, là. Oh putain. Il était trop con. C'est malheureux. Mais frère, il voulait pas... Il voulait pas, ce temps. Mais ça, je l'ai mal mis, en fait. Ah bah ouais, je vois ça. Il était au trou. Avec Marco, on t'a vu tomber comme une grosse merde. Eh, tu t'es étalé. C'est bizarre parce que la dernière fois, je suis sorti du 3ème étage. Et je suis pas mort. Ah, je sais pas, mais là, oh, tu t'es éclaté comme une grosse merde par terre. Ce n'est point grave. Venons à la surface. Est-ce qu'il y a un chef du raid encore? Voilà. Ah oui. Hop, je vais me remettre en femme. Hop, je suis là. C'est bon. Je vais reprendre mes équipements. Oh, par contre, ça lag. On continue avec la Jeep ou... On va aller avec la Jeep. Les gars. Ouais, tais-toi. Titou, quoi. C'est Titou. 4. On arrive. Il y a une enterre. Oh braco, oh non, horrible. T'es où, Albin? Je suis au machin. Tu as des intentions, mais j'y viens. Je sais pas. Tiens, je demande toutes les unités. Si... Bon, moi je prends le disponible. Vas-y. De toute façon, j'avais plus de faim donc. Bon. Je pas bien, mais j'étais juste à côté. Ouais, mais c'est bon, Tito, hein? D'accord? De quoi? Mais je me suis cassé la gueule, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Oui, il est tombé de toute la World Camp, il s'est éclaté comme une grosse merde. Ah, il est mort? Oui. Mais comment t'es tombé?
Bah j'ai eu mon tapin, mais sauf qu'il y avait un trou, genre tu vois, entre au milieu d'avoir le cop. Et du coup, bah, ah, bah, du coup, bah je crois que le grappin, bah il a bugué. Moi je sais pas si je prends. Mais Eddie, t'es encore en vie, toi. Ah, moi je suis là, ouais. Je t'occupe des barrières. Un raid là. Là, je jure que si j'ai de la chance, je peux en tuer un. Fais pas le guerrier, fais pas le guerrier. Ils sont au moins 10. Je dis direct, ils sont au moins. Je jure, il y a tout le monde. Tout le monde. Dans tes pris en otage, toi ? Ouais, hein, dis-toi. Ah, ok. Non, justement, c'est moi qui a signalé le braqueur. Ah, toi, t'es en braqueur avec eux ? Non, je suis pas en braqueur. Je comprends rien. Si... Non, c'est en gros, j'étais un agent infiltré, j'étais en train de me promener autour de la banque. Nickel. C'est Sammy Wayne. Si je voyais qu'il y avait des mouvements, je me promenais autour de la banque. Sammy Wayne, c'est l'autre Cadillac. Soir. Okay. Soir. J'aimerais bien qu'il y ait un raid sur le toit et un raid dans les égouts, s'il vous plaît. J'ai mis un bac de ventilation. De ça passe ou pas? Ouais, si un raid en plus peut y aller, ouais, c'est bon. Ok, bah je vais en... Capitaine, vous avez placé des... Ouais, actuellement, ils veulent toujours pas me montrer l'otage, donc j'attends, j'en laisse 5 minutes, ils veulent toujours pas me montrer l'otage en assaut. Aiden, tu resteras où t'es, et Johnny, tu resteras aussi où t'es. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir quelqu'un avec un... marche pas, cette échelle de mort. Oh, là. Où ça? Bah là, pour monter sur les toits, elles sont pétées, leurs échelles de merde. Tu prends ton grappin? Bah... Ah ouais. Moi je te dis, là je viens de passer à la barre des 11 000 points trust. 11 000? Ouais. Pour te dire, j'ai déjà acheté 2 skins à 1000 points trust, et 2 voitures, une voiture à 10 000 points trust, et une autre voiture à je sais pas combien de points trust. Dis-toi. Je sais plus. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? You. Salut Joseph, tu viens ou pas sur le 3? Je sais pas du tout. Joseph, il va se faire encore bannir. Ouais, sûrement. Mais tu vas être quoi? Non, je pense que je vais sur le 2. Hein. Je pense que je vais le ban Joseph encore. Mais elle a fait RP sur le 3. Bien. C'est RP les braqueurs de banque qui ont les otages depuis 5 minutes. Ils ont RP. Oui, mais c'est de bonne action RP. Et... Ouais, bah oui. Et en backo, on arrive à faire des trucs. Bah, sur le 2 aussi, tu peux faire des trucs en backo. Un peu moins, mais. Disney, tu joues backo ou raid? Non, là je suis raid. Venez en raid tous, mettez-vous tous en raid et puis voilà. Le raid, c'est quand même trop bien. Raid, c'est. Mais pas le métier de quoi là? Charisme, ouais. Les gens qui parlent français, ils ont tellement de charisme. Bah c'est moi. Calais de charisme. Tarbornoclou. Tarbornoc. Tellement de charisme. Oh là. T'es où, mais dis-toi le réunionnais, non? Calais.
Juste, mais il y a un modo. Mais attends, mais il y a un modo qui s'appelle Enzo Domenico. Ouais, ben en gros, ce modo, je te jure, je me demande comment elle a fait pour passer modo. J'ai jamais vu. Je te jure, il m'a TP avant. En fait, il a TP moi avant de TP. Il a TP moi avant de TP la personne qui faisait le ticket contre moi. Bon, ça va aller vite. Ils ont deux otages. Il y avait un agent de la banque qui essayait de s'infiltrer. Il s'est fait repérer. Du coup, maintenant, ils ont deux otages. Dont un agent de la banque, du coup. L'autre agent, c'est un, l'autre otage, pardon, excusez-moi, c'est un civil. Rien de spécial, ils ont pas faim, ils ont pas été maltraités. Par contre, le problème, c'est qu'ils sont six lourds dans mon armée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais attendre 5 minutes. Plan de sortie actuellement, vu qu'ils m'ont demandé 5 minutes pour parler de leur plan de sortie, donc je vais attendre 5 minutes et je vais essayer de faire sortir évidemment un maximum d'otages comme d'habitude. Mais ils ont pas l'air très chauds en négociation, ils ont pas très envie de négocier. Apparemment, ils veulent garder leurs deux otages, ils vont sûrement partir avec leurs deux otages. Évidemment, ça ne sera pas possible, donc voilà. Donc actuellement, c'est la situation, j'attends 5 minutes. Lieutenant. Oh mais j'ai un civil, il y en a un, il se croit discret, mais non j'ai un super bon visage. Ah mais tu te fous, mais de toute façon toi t'es un cheater, c'est tous. Oui, t'es le pose. Dans les égouts avec Alexandre. Ils se déplacent souvent et en fait sur ma poche je peux facilement leur mettre une balle. Fais table, s'il te plaît, et descends vers Paul. Est-ce que tu me vois? Ouais, tu me vois quoi? Pourquoi tu me vois pas en VIP? Oui, nous sommes égaux. Je suis avec un capitaine de police et je suis avec son mari. Bah oui, c'est sûr que c'est normal. Okay. Oui, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le toit? C'est normal. Ah bah c'est bon, voilà. Complètement débile, faut pas vous montrer les gars, vous montez sur le toit, vous cachez là, ils ont grillé qu'il y avait des gens sur le toit, donc ils en veulent plus. Ayep, tu descends, tant pis. Non. Essayez de monter sous grappin par le papier et qui passe sur le studio. Non. Oh, ah ouais, mec, t'es trop bien. AR-15 est réveillé. Oh, what the fuck. Et mets ton crosshair. Mets ton crosshair. Non, t'inquiète, je gère sans crosshair, moi. Tire du bas droit, tire du bas fixé, tire du bas réticule. Hein. Ouais, mais je gère même sans crosshair. C'est Joser qui négocie, c'est Yab. Ouais, Joser. Bah, au pire, regarde. Yab, c'était le bac. Ah ouais. Ta gueule. Tu joues à Minecraft, Paul? Bah fais tab et t'auras la réponse. Fais tab et t'auras la réponse, mais dis non. Moi je vais jouer pendant le reboot, je vais faire une aventure Minecraft. Tous les reboots, je fais une aventure Minecraft. Dès que ça va être quoi? Ça veut dire quoi? Pendant les reboots de 10 heures, à chaque fois je vais me co sur un monde Minecraft et je vais continuer mon aventure. Ah non. Et en gros, je déco le jour. Non, mais moi je vais spoiler. Mais monsieur qui est plus serait bien, s'il vous plaît. Une question, Carla, il est quelle heure pour toi? Midi. Et attends, est-ce et donc le reboot de 10h pour toi, c'est à quelle heure? Le reboot de 16h, c'est à 10h pour moi. Voilà. Mmh.
J'ai pas pris mon service et je suis en train de... Je suis au dernier étage du comico sans mon service. Putain. Donc ça veut dire, mais tu as joué jusqu'à quelle heure, toi? Jusqu'à 20h? Moi, bah mec, moi, je peux jouer de... Je fais une pause l'après-midi, je reprends la fin de l'après-midi. C'est bon, il est descendu. Le meilleur raid est sur place, attention à vous. Tu rejoues à Gmod là Ouais, j'ai fait une pause est-ce sur que c'est la bac. Ouais, mais c'était une courte pause. Moi, ça m'a vite cassé les couilles. Hein. Parce qu'il était trop nul. On va te faire foutre. J'ai fait deux games, frérot, j'ai fait 30 kills. Pas beaucoup. J'ai fait deux games, 30 mais kills. Mais il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi, le reste, j'ai pas entendu. Mood, what a mood, even a torus. What you know, you. Ok, l'assaut est lancé, bas de village. Oh putain, oh merde. Ok, j'arrive. Faites gaffe, ils sont beaucoup. Et ceux qui sont au tunnel, restez tunnel, hein, je vous préviens. Ceux qui sont au tunnel, vous restez tunnel, on sait jamais qui tente de vous enfuir pendant le gunfight. On rentre ou pas? Bah ouais, on rentre. Ah, ici, non, on va pas rentrer ici. On va. Nous sommes égouts et rien, il y a des tirs partout. Bon, attends-moi ici, Jason. Ils ont un sniper. Ah ouais? Si l'alarme sonne, ça veut dire qu'il sort par les égouts. En haut, ouvrez la porte. Colin, tu peux mettre un carton derrière toi. Derrière toi sur la caméra, tu peux mettre un carton. Yeb, tu peux mettre un carton sur la caméra derrière toi, s'il te plaît. Ouvrez le coffre de banque. Ouvrez le coffre de banque, s'il vous plaît. Ah, Jason, t'es descendu. Est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert, ok, c'est bon. On y reste? Bah, en fait, je pourrais pas remonter parce que. Si, il y a une escale. Oui, mais j'ai plus de bouffe. De quoi? Là, t'es en train de mourir de faim? Ouais, donc bon, j'ai cassé en temps. Mais pourquoi tu veux plus remonter? Parce que là, je vais pas pouvoir remonter autrement parce que. Ah, on peut pas sauter? Ouais. Avancer. Attends, je te pousse. Ils ont pété le sol. Je peux pas avancer plus. Non, y a pas moyen. Non, okay, on peut pas avancer. Faut aller renforcer les équipes dans les égouts. Hein. Maximum d'unités dans les égouts. On est 4. On est 4. Non, c'est bon, c'est okay. Bon. On est 4, on est 3 officiers et un raid, donc tranquille. Attends, Jason, on va tenter d'aller voir s'ils ont besoin d'aide d'ici. On va voir s'ils ont besoin d'aide ici, sinon on tire dehors. On me tire dessus dehors. À l'aide dehors, on me tire dessus. Je suis dehors. Qu'est-ce que vous foutez? J'arrive en renfort. Je veux des. Fais-toi couvert. Mathis, reviens. Non, Mathis, vas-y. Et puis celui qui était avec nous, Alexandre, reviens. Je veux des unités sur le toit. Titouan, tu retournes sur le toit. Te cassez pas. Ok. Il est mort. C'est bon, il est mort, le mec. J'en ai battu un. Titouan, tu vas dans les toits. Tu retournes dans les conduits. Et ils peuvent sortir par les conduits. Tu vas dans les conduits. Merde, c'est terminé. Besoin de renfort, Hugo. Hey Jason, j'ai tué quelqu'un à l'extérieur. Pourquoi je suis mort? T'es mort? De chute, ou je sais pas, mais je suis mort. T'as dit que t'es en train de mourir de faim? Mais j'étais à 35 HP, je crois.
marche pas. Mais magnifique, je l'ai tué sans viser. Je l'ai tué sans même viser. L'autre. Ah, l'autre il fait encore du NLR, c'est cool. Celui que j'ai tué fait du NLR. C'est gentil ça, c'est gentil, gentil. Bonjour. Excusez-moi monsieur, j'ai un problème. Attends qu'il place son grappin. Bonjour. Alors j'ai un problème. Allez, place-moi ton petit grappin et je peux tuer. J'ai volé mon camion. Sacré NLR, c'est gentil. Bon, allez, monte, toi, monte. T'es mort, Dijon ? Ouais, je suis mort de chute. Super. Dit-il. Oh. Mais toi, légèrement, sûr. J'ai pas fait un vol planète de la vol fort. Je suis pas mort d'intervention. Non, t'es mort après l'intervention, c'est pire. Non, c'est pas pire. La vie de moi, ça me casse les couilles, on a zéro col. Les mecs, ils disent rien du tout, les ça va se taplo. Casse les couilles. T'es mort d'où, toi? Ils disent pas les infos, mec. T'es mort d'où, Paul? Oui, moi, je suis mort dans la banque. Et j'ai voulu mettre dans une partie, là, tu vois, et il y avait 15 mecs, frérot. Dans les trucs là. Là ce que vous faites c'est il y en a deux qui se passent dans le hall ou un seul juste pour dire s'ils viennent mais je pense pas qu'ils vont faire les lasers. Après 4 avec vous et 4 sur toi. Tous les prendre, je vais les baiser. Casse les couilles. Quoi? Mec, j'en ai rien à foutre. Casse les couilles. Et vous cassez les couilles, hein. Oula, oula, j'en ai marre, oula, je suis énervé. Une patrouille pourrait venir me chercher au Comico, s'il vous plaît. Actuellement, il y a un broadcast devant. On peut pas, on est en broadcast. Besoin de renfort. Pêchez-vous. Très bien, j'arrive. Bon, ça me casse les couilles. Qui veut faire un braquage là? Qui veut faire une PO? Pas moi, c'est pas mal, mais bien quelqu'un armé, il arrête pas d'aller à l'heure et tout. Tu veux y aller? Ouais, mais ça me casse les couilles. Faire ma douche à 18h30, frère. C'est à 18h, je crois. Tu peux pas lui dire, genre, je prends ma douche après? Non, ils vont me casser les couilles là. Hop, tac, hop, hop. Oh, ça a NLR. Oh les flics NLR, j'adore. Moi j'ai NLR. Les flics NLR. J'ai juste ramené un mec, qui voulait venir. Il y avait une personne qui tire au sac gauche, je sais pas qui c'est. Je vais pas intervenir sur l'action. Je vais me mettre sur la gâche. Hein. Écoute, amuse-toi. Ah. Mec, j'ai deux boombox par terre. Il y a des boombox par terre. Je suis en train de me faire des boombox gratuits, moi. Et c'est où? J'ai deux boombox. Et je viens de me faire deux boombox là. Une petite descente, du coup, j'ai en bas et pour ouvrir le coffre. Putain, c'est grave. On va sortir par l'autre côté, du coup. J'ai refermé. J'ai vraiment deux boombox dans mon sac. Un ou deux j'ai 100 000 dans mon sac. J'ai 100 000 euros dans mon sac. Je pars me chercher un service pour le formateur bac. Marco, au pire, essaye de rester au-dessus et empêche les citoyens d'aller ouvrir les coffres parce que je suis pas blanc. Je suis un tard. D'ailleurs, il y a un qui a battu un policier, je lui ai tiré dessus, mais il s'est enfui. Hop. Check. Oui, il y en a un qui tire au sac, je pense. Mais il y a également une personne qui tire sur le monstre, il est lent dans ma. Taisez-vous, s'il vous plaît. Il sort par les égouts, besoin de renfort.
vous vous faites gaffe, il y a des gens qui arrêtent pas de venir dans la banque, de s'armer, donc s'il y a des gens qui peuvent éviter ça, ce serait cool. Qui est pas ça à la banque? Braquage de banque. Vous avez besoin de moi? Une disquette. Actuellement, on a besoin de tout, en fait. Je retourne dans les halls parce que là, il y a des gens qui vont aller ouvrir sinon. J'arrive, je reviens au braquage de banque. Il y a tout le monde intervient encore. Et trouvez-moi la personne qui tire au saco. Regardez aussi Warcorp. Sauf que je dis, je trouve sur le motel. Et il a pas un saco, il a un pistolet. Il vous tire dessus ou pas? Négatif. C'est où l'inter? Je viens de me faire tirer. Oh, je sais pas où elle est, mais. Il y a des. Bien joué, petit tour, hein, ou je sais pas qui, au raid. Bien joué, qui a vu. Bien joué, j'ai vu. T'inquiète pas, je. Bien joué Tito, tu as mis une balle, il est mort, tu as mis une balle. Où est l'intervention, s'il vous plaît, l'intervention? À la banque actuellement, ils sont dans la petite, dans le souterrain en fait. Souterrain juste en dessous, qu'ils aient des premiers salles. Pardon. Je suis un homme sur le moteur. Il a commencé à tirer. C'est où? Juste la dire, elle est où? À la banque. Et mais rien qu'en restant à l'intérieur, j'ai. Mais tiens, moi je reste à l'extérieur. Rien qu'en restant à l'intérieur, j'ai déjà fait 3 kills. Ouais. dont un tueur à gage, qui arrête pas de tuer les. Mais un tueur à gage qui commence à être énervé. Ouais, Paul, ce cadavre, c'est moi qui l'a tué. Mais il y en a un, il est énervant, c'est qu'il arrête pas de venir en boucle. Il y a un tueur à gage qui arrête pas de venir. Ça sert à rien que je fasse un ticket, ils sont en réunion. Mais il y a Andy, Bianchi qui a un LR. Andy Bianchi? Mais il est même pas sur le serveur, qu'est-ce que tu parles? Ah non, mais. Non, Chris Bianchi alors. C'est toi, Paul? C'est à côté terminée. De toi, il y a un encart. Tous les suspects ont été abattus. Ah bah, c'est terminé apparemment. Ouais. Moi je suis content quand j'ai fait 3 kills. Dont deux où c'était un tueur à gage canneleur, mais qui essaie de tuer des policiers. Mais en vrai, j'ai regardé, c'était un lance bras. C'est au sort des égouts, mec, bizarre. Tout le monde est mort, du coup, en bas? Tous les policiers, pas les policiers, tous les suspects ont été abattus, effectivement. Sur l'échelle de 1 à 100, il me reste 1. J'ai mal sur 1. Aïe. Pas vite. T'inquiète pas, j'y suis. Vas-y, Paul. Tu veux qu'on parte sur CSGO? Moi, je suis partant. Si tu veux qu'on y aille. Prise de service pour le formateur Pingu 0. Bah là, trop tard, mon ref. Je suis revenu sur Gmod, je vais pas refaire un aller-retour. Vous êtes un peu con là. Si un tu peu. Veux, tu peux. Bah, j'ai envie de dire, ils sont quasiment tous partis.
Oh mec, y a que toi qui peux me faire des contrats, c'est grave. C'est moi ? Genre y a personne qui sait faire des contrats. Non, les gens ils savent pas. Ah, si. Mais ils me cassent les couilles. J'en ai marre, hein, vraiment, j'en ai marre. Mais t'en as marre de rester sur Gmod ou t'en as marre de quoi ? Ah, je peux pas avoir un contrat, mais. Mais ouais. Mais ouais, je sais pas.